Nos ancêtres, il est temps pour nous de faire notre retraite traditionnelle que nous appelons la cérémonie des boutiers, juste telle que nos ancêtres le faisaient. Ça connaîtra un succès. Moi, le chief Nkobiuduma, comme président de la structure Donarubi et du Grève, nous demandons au Dieu qui est au ciel de nous assister. Nul d'entre nous ne tombera malade. Personne d'entre nous ne mourra. Notre prière est qu'il nous bénisse, afin que nous prenions en charge tous les besoins en rapport avec la cérémonie de retraite. Cela nous permettrait de faire la vulgarisation du projet de la communauté que la communauté nous a confié. Nous te demandons aussi d'assister nos enfants pour qu'ils soient aussi en mesure de nous supporter. Pour qu'ils viennent nous assister et qu'ils nous célèbrent, tout ira mieux avec nous, Ineke. Tout ira bien avec nous le matin, tout ira bien avec nous l'après-midi et tout ira bien avec nous le soir. Nous prions et croyons que... Thank you.
De faire quelque chose que je pourrais regretter plus tard. Très bien. Si je pars maintenant, Chifo Kalobaga, il voudra acheter ce terrain avec une somme insignifiante, sachant très bien que je fais face aux problèmes financiers en rapport avec la cérémonie de retraite. Ok, très bien. Que j'appelle d'abord ma fille, non? Hein? Que je l'appelle d'abord. Au moins qu'ils essayent de faire de leur mieux, nous allons voir. Je l'appelle comme ça, elle pourra appeler son mari concernant tous les plans que j'ai ici. oui, c'est moi, ton père, Adab Ekin. Comment vas-tu? Comment vont mon petit-fils et mon beau-fils? Comment vont-ils? Très bien. Ok, tu fais allusion à ta mère.
Ah, ok, je lui dirai. Très bien. Ada Beke, je t'ai juste appelé pour vous informer, toi et ton mari, concernant la cérémonie de ma retraite. La cérémonie qu'on appelle Ibuche. Ils nous ont donné un projet que nous allons piloter. Alors, mais aussi nous avons distribué des faire-part pour que chaque membre paye quelque chose. Tu vois ma fille, c'est ça. Mon faire-part est de 120 000 naira. T'inquiète papa, je te l'enverrai à tantôt. Ok, pas de problème. Viens, prends bien soin de toi. C'est papa. Oui. Non. Il a besoin de 120 000 naira pour sa retraite traditionnelle. Très bien. C'est pourquoi je t'aime. Ok. D'accord. Pas de problème. Bye. Chinekeme, qu'est-ce que je vois là? Hein? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Vous êtes vraiment des insensés. Regardez les gens insensés que j'ai. Hein? Vous êtes là en train de fumer sans avoir honte? Sous ces soleils d'après-midi. C'est tout ce que vous savez faire. Vous fumez le matin, vous fumez à midi et encore le soir. Vous êtes vraiment des insensés. Mais qui a amené cette femme ici? Très bien. Vos amis se font de l'argent là-bas. Ils cherchent comment est-ce qu'ils peuvent faire la fierté de leur père. Mais vous, vous êtes là, en train de fumer. C'est quel genre de enfants comme ça? J'ai honte de vous. J'ai honte de vous présenter comme mes enfants. C'est quoi ton problème? Qu'on fume le matin, à midi ou le soir, en quoi ça te concerne? Chineke, arrête de me taper sur les nerfs, vieille folle. Tu m'insultes. Oui, c'est quoi ton problème, hein? C'est à moi que tu dis ça? Tu m'insultes, moi ta mère. Hein? Ce n'est pas normal, tu dois être fou. Toi, ma mère, toi une vieille folle comme ça. Il faut que... Laisse-moi ça, imbécile. Arrête. Envoyez-moi cette femme. Encore toi, encore toi, encore la foule, moi, Mio. Tu me traites de la sorte. Tu n'as même pas honte, toi. Tu dois avoir honte de toi-même, toi. Hein? T'es quel genre d'enfant, toi? Tu as une femme comme moi? Tu es fou. Fais attention, je te dis. Mon Dieu. Moi, je dis que tu devrais être réjoui parce qu'il t'appelle une femme. Oh. Parce que moi, je t'appellerais vieille folle. Regarde un peu ton corps, là. Je suis une fille. Est-ce qu'il fonctionne encore, je suis hein? une fille. Je suis déjà mariée. Oui. Non, mais regardez-moi cette folle. C'est pas parce que votre père m'avait épousée et que cela fait que je ne suis pas une fille. Réjouis-toi parce que mon père t'a épousée. Et c'est pourquoi tu exposes ton corps ainsi. Regardez-vous. Vous n'avez pas de cervelle.
J'ai vraiment honte de vous appeler mes frères. Vous devriez avoir honte. Est-ce que tais-toi. Ah mais tu l'as pas fait quoi. Tu n'as pas honte. Je vais faire du mal, attention hein. Que ce soit la dernière fois, je vous avertis. Je suis pas votre ami. Ce soit la dernière fois. Vous n'avez pas honte. Et vous êtes insensé. Vous ne savez rien faire. Vous savez que fumer à tout moment. Hein? Attendez, vous allez voir. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Arrête ce que tu fais là. Allez chercher l'argent. La jalousie va te tuer. Allez chercher l'argent. Vous n'avez pas honte. Je suis ici en train de rien faire. Je suis en train de fumer. Nous as-tu éduqué? Attention, fais vieille folle, voilà ce que tu es. Oui, c'est ça, il faut partir. Écoute mec, arrête ça, ça va m'énerver, ça m'énerve franchement. Hop. Papa. Emetu. Papa. Savez-vous, ce mois de décembre est le mois de notre retraite traditionnelle. Vous le savez d'ailleurs. Je n'ai pas encore payé ma contribution. Aucune préparation de ma part. Qu'en pensez-vous, mes enfants? Papa? Papa, oh? Parle, mon fils. Papa, calme-toi. Ça va aller. Relaxe-toi, d'accord? Arrête un peu de te déranger. Ce jour-là, tout va se passer exactement d'une manière différente. Et tu iras à ta retraite traditionnelle. Je te promets que je vais te rendre fier. Ça, c'est mon fils. Papa, sois calme. Très bientôt, notre situation va changer. Hey, papa, relax. Donne-nous le temps. Nous ferons ta fierté. Papa, ne te dérange pas. Fais-nous confiance. Tu verras, papa. Ma fille, viens, je vais te bénir. Hop, viens. Tout de suite, papa. Mon beau-fils, tu prends très bien soin de ma fille. J'aime. Merci, merci maman. Ça me prend merci dans le beaucoup. Ah oui. Maman, moi. Oh, Guinée. Hein? Salue ton beau comme il faut. Avec honneur. Allez, c'est déjà vas-y. Fait, non? Passe à l'action. Mon beau-fils, je te salue. Je suis contente. Eh bien, papa, il y a quelque chose de très important dont on aimerait vous parler. Au fait, je vais laisser ma femme ici présente vous le dire elle-même. Okay. Oui, parlez, je vous écoute. Papa, maman, Namon, nous nous sommes décidés de vous offrir un terrain et construire pour vous une maison dans ce terrain. Yeah, mais... Vous déménager ici. Yeah! Hey! Oh Dieu, vraiment merveilleux. C'est vrai ça? Oui maman. Bah Dieu, il est gamin. Oh nique. Mon beau fils. Oh, ce n'est rien papa. Quoi qui bé hein? Hey! Tchai! Moi à moi bon. À moi yo. C'est là qu'intervient la sagesse de nos ancêtres dans leur proverbe que un premier beau fils est un premier fils de la famille. Ça, c'est vrai, papa. Je suis contente de vous. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, papa. Je suis contente. Il y a un adage qui dit que quand tu pars dans un voyage et que tu n'es pas encore arrivé à ta destination, le voyage continue. Non. C'est quoi ça? Où est-ce que tu vas? Quoi?
tu n'iras nulle part. Au Guinée. Tu n'iras nulle part. Pourquoi as-tu l'apparence d'un fou? Écoute, tu ne peux pas t'habiller de la sorte. Es-tu une pute? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? Es-tu le seul homme qui est marié? C'est quoi le problème? Laisse-moi jouer en retard, je dois partir. Écoute-moi très bien. Tu n'iras nulle part. Ça ne tiendra pas. Qu'est-ce que tu veux? Ma propre femme. Es-tu la seule personne à se marier? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? On verra. Laisse-moi passer, je suis en retard. Maintenant. Et moi, ta femme? Ok, vas-y alors. Montre-moi. J'ai le problème là où il n'y en a même pas. Laisse-moi sortir, c'est quoi? Laisse-moi tranquille, pardon. Occupe-toi de tes affaires, laisse-moi tranquille. Écoute, qu'est-ce qui se passe? Ada. Oui. Ada, ma fille. La jolie fille. Maman. Ma fille bien-aimée. Hey, il n'y a pas une maman. Comme toi. Je maman. T'aime. Oh, t'es de retour, hein? Hein, ma fille? Aïe. Maman, tu es bien habillée. Hey. Je remercie le Seigneur pour t'avoir dans ma vie. Ça c'est ma ta mère. La plus jolie. Ma fille. La plus ah oui. sexy de hey. Ah maman, oui. Tu es très c'est sexy. Ta mère. Maman, donne-moi 5. C'est moi. Je suis la plus belle. Regardez comment je suis belle. Je suis très belle. La fille de sa maman. Hey, quelle beauté exceptionnelle. Hey, ma fille bien-aimée. Maman. Oh. Je t'aime beaucoup. Mm-hmm. Bienvenue, hein. Idjola, retourne ici. D'où est-ce que tu viens? Depuis hier qu'elle avait quitté la maison. Elle rentre seulement maintenant. Regarde comment elle est habillée. Comme une salope. Laisse-la tranquille. Est-elle une pute? Hey. T'as pas honte? Ah. Je ne la blâme pas. Telle mère, telle fille. Regarde. Elle se comporte exactement comme sa mère. Qu'est-ce que tu parles là? Ça te concerne? Tu n'as même pas honte, toi. Hey, regarde-moi cet homme. On est allé te chercher l'argent comme les autres hommes le font. Toi, tu es là en train de parler. Est-ce que l'argent est tout? Bien sûr! L'argent fait que le monde marche très bien. L'argent et les comportements. Tu n'as ne rien. Ne t'habille pas comme une pute. Tu n'as qu'à la fermer. Oh, seulement tu vas voir. Tu n'iras nulle part. Oh, me toucher. Je dis tu n'iras nulle part. Ne me touche pas. Est-ce que c'est un imbécile? Tu n'iras nulle part. Va chercher l'argent. Écoute. Va faire le travail avec les hommes. Bon, laisse-moi. Tu n'as pas honte. Regarde ton homme comme ça, mon Dieu. Je dis rentre. Lâche-moi. Lâche-moi. Ne me cherche pas. Lâche-moi, je dis. Oh, ne me touche pas. Tu es salé, moi je pars. Laisse-moi, je vais sortir. Je dis rentre. Laisse-moi. Je vais te porter. Oui, je vais te porter. Vous êtes le seul fils. Je n'ai pas d'autre famille. Hormis vous qui êtes ici. Comprenez-moi donc. Et votre sœur Idjola. Eh oh. Mon frère Emmanuel qui est mort. Qui a patienté pour vivre les jours où nous nous préparons tous à célébrer Ibouché. Alors, en mémoire de Emmanuel, ce grand homme qui n'est plus parmi nous, qui a patienté pour voir les jours que nous étions tous en train de rêver. Ibouché. La fête de retraite. Oh. Que son âme repose en paix. Papa, sois fort. Et maintenant, il ne reste que moi. Vous êtes le seul que j'ai. Vous et votre sœur. C'est la raison pour laquelle je vous ai réunis comme une famille. Certains de vos amis, dans cette cérémonie de retraite, ont payé les contributions de leurs parents. Ils l'ont fait pour soutenir leurs parents. Mais écoutez-moi, mes enfants. Mais de vous, je n'ai reçu aucune somme. C'est pourquoi je vous ai appelé pour que vous vous battiez aussi. Papa, calme-toi avant de pouvoir décortiquer toute la Bible. Hein? Il n'y a pas assez d'argent pour prendre soin de la place. L'argent qu'on gagne nous aide à faire autre chose. Hein? S'il y en avait assez, on aurait eu la possibilité de le faire. N'est-ce pas, mon frère? Hein? On compte payer toutes les dettes de papa, non? Quand est-ce que vous allez le commencer? Vous n'avez pas honte? As-tu un travail? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Regardez-moi eux, espèce de chômeurs. Ils ne savent rien faire. Où aurez-vous l'argent pour faire tout ce que vous dites là? Maman. Tout ce que vous savez faire dans ce village, c'est seulement fumer à tout moment ici. Vous êtes de bon à rien.
Vous ne savez rien faire à votre âge ici. C'est pas normal. Quel genre de mère es-tu? Biko, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu ne dis ça? Oh, Dieb. Qui t'a même invité à cette réunion? Tu n'étais pas censée être ici, maman. Qui tu n'as même pas honte? Je dis, calmez-vous. Espèce de insensé. Je dis, hein? Calmez-vous. Papa, sommes-nous les premiers fumeurs dans ce village? Ah oui, nous ne serons certainement pas les derniers non plus. Comment est-ce que vous allez faire avec les dettes de votre père? Dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Même un nègre n'est pas encore payé. Avec des vauriens comme vous ici. Je vous ai demandé de tout arrêter. Papa, je suis désolé. En tout cas, tu dois savoir la manière dont elle nous parle. Désolé en tout cas. Mon ami, mets-toi là-bas et écoute ce qu'on te dit. Je n'ai même pas honte. Espèce d'insensé. Tu ne sais rien faire. Va te chercher un job là-bas et arrête-nous de fumer. Hein? J'aurais dû me douter que c'était un complot, surtout venant de vous. Hein? Et tout ça parce qu'on fume. Vas-y. Tu vois tes enfants? Hé, hey. Hey, mon Dieu. Hein? Hey. Que cette honte ne soit pas notre partage. Je t'en prie. Je t'en prie, oh. Que ma famille ne soit pas mêlée dans cette honte. Seigneur, je t'en prie. Ça, c'est l'original, oui. Oh, c'est très bon comme ça. Regarde bien la couleur. Oh, c'est rien. Ça va passer. Hé, hey, Nayo. Ta fille avait appelé. Elle a appelé. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que nous puissions élaborer une liste pour tout ce que nous avons besoin pour la cérémonie. Ils vont bientôt venir. Vraiment? C'est une bonne nouvelle, non? Tu m'en avais pas parlé avant, alors laisse-moi trouver... Mais je te l'ai dit maintenant, non? Laisse-moi trouver des papiers, j'arrive. Eh mon Dieu. Je pense que ça peut attendre pour le moment. Tu veux commencer à écrire maintenant? Ah oui, non? Hey, Woma. Hey, ma fille bien-aimée, oh. Ma seule et unique Ada. Si j'oublie quoi que ce soit, tu me rappelles. Deux chemises bleues. Deux sortes. Tu parles de deux? Ah oui, deux, non? Deux chemises bleues pour moi. C'est pour moi. L'une aura la tête de buffalo et l'autre la tête du tigre. Donc deux? Oui, deux pour moi. Deux, oui. Très bien. Et ce chapeau qu'on porte souvent comme ça, c'est un peu élancé comme ça et avec des fils autour. De Londres? Oui, juste je pense. Pour cette cérémonie traditionnelle. Oui, non, tu ne sais pas que ça se passe comme ça, hein? Bon, je te comprends parce que tu n'as pas fait l'histoire. Oui. N'exagère pas là-bas. Je veux le deux, hein? Mets tous les deux. C'est ce que je veux, en fait. Je demande tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Es-tu maintenant membre de la cérémonie ou quoi? Hein? C'est moi qui pars à la retraite, c'est pas toi? Mais moi je suis là, n'est-ce pas que je prends ta part aussi? Ce sont les choses qui nous concernent. Et alors si j'écris deux ici pour toi, alors ça va faire trois? Hein? Trois. Ah, ok, pas de problème. En tout cas, moi j'évite des problèmes. Ce n'est pas grave, je vais écrire ça pour toi. As-tu dit chemise bleue ou quoi? Je veux le blanc et les bleus. Oui, tous les deux. Le blanc et les bleus. Laisse-moi te dire une chose. Tes demandes ne peuvent pas dépasser trois. Ou quatre. Tu dois savoir. Pourquoi toi tu es comme ça? J'ai demandé le pagne. Tu as déjà écrit. Mais les couleurs que j'ai demandées, c'est tout. Hein? Je suis juste confus. Le problème est que si je dis que je dois écrire trois, les pagnes, ça et là. Et alors ça va demander les boucles d'oreilles. Hein? Une blouse. Deux. Et le sac et les chaussures. Mais vraiment. Ça dépasse 4, non? Hein? Mais c'est moi qui pars à la retraite, non? En tant que ton aide, mets la chaînette, n'oublie pas s'il te plaît. Maman, je ne comprends toujours rien, moi. Moi aussi, je ne comprends rien du tout. Ok. Je vous avais dit que le chien n'a jamais été représenté à l'image d'un roi. C'est plutôt le lion. Et cela est dû à cause de son attitude. Vous comprenez? Oncle est là, oui, oncle. Hey, mes enfants, comment allez-vous? Nous allons bien, et toi? Je vais bien. Ezi, d'où sors-tu? Oh. Quelle surprise! Comment tu vas?
Je vais bien. Où est mon beau-frère? Tambo n'est pas là. Il était sorti. Bientôt, il sera de retour. Ok, alors? Easy, fais. Regarde-toi. Allez, viens. Mets-toi à côté des enfants. Regarde comment tu as grossi. Tu fais beaucoup de temps pour venir voir ta famille, vraiment. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Ne me pose pas cette question. Ici, c'est chez moi. Donne-moi tout ce qui est disponible. Ok, il n'y a pas de problème. Mes amis, vous avez grandi. Hein. J'arrive. Qu'est-ce que tu entends de dire? Oncle, s'il te plaît, la crème, sinon on ne va pas faire notre devoir. On a besoin de la crème. Pour l'instant, montez dans vos chambres, faites vos devoirs et vous aurez votre surprise, d'accord? Ezife, tu sais que tu es méchant. Tu manges ton argent seul. Mon beau-frère, bienvenue. Merci. Mon beauf. Oui, beauf. Je suis venu discuter avec ma sœur. En ce qui concerne la retraite traditionnelle de notre père. Voilà pourquoi je suis là. Laisse-moi te dire. Et c'est fait. Qu'on la nonne bête. Ok, laisse-moi te dire. Laisse-moi te faire un expo de tout ce que tu as raté jusqu'ici. Mon mari, Ezibé, est en train de construire une nouvelle maison pour papa. Hey. T'es sérieuse? Hey. Il est en train de faire une structure pour au village. Bientôt, ils quitteront là où ils sont pour aller habiter cette splendide maison. Mais c'est injuste, non? Comment un si grand projet peut être en cours et tu ne m'as rien dit? La maison que mon beauf est en train de construire deviendra automatiquement aussi la mienne et tu le sais bien. Oh mon Dieu, pourquoi te fâches-tu? Dis-moi. Hein? Il avait dit à maman et papa de ne pas te le dire. Il a voulu que ça soit une surprise pour toi. Tu n'as pas besoin de te fâcher. N'est-ce pas que tu en as aussi le droit? Oh que si. Mais pourquoi avez-vous commencé les projets derrière mon dos? C'était simple, il fallait juste m'informer. Vous n'avez plus mon numéro? Beau-frère, tu ne dois pas le prendre dans un mauvais sens, hein? Tu sais très bien que ta sœur ici présente est une princesse pour moi. Je sais. Oui, elle est une bénédiction pour moi. Au fait, je lui avais dit de ne rien dire. Je voulais que ça soit un secret et une surprise en même temps. Oui. On a déjà fait la commande des matériaux de construction en Chine. D'ailleurs, c'est hier que mon mari les a récupérés à l'agence. Tout est intact, y compris l'équipement de toute la maison. Oui, tout est là. Mais en passant, au cas où tu aurais besoin de quelque chose, je suis là, d'accord? Jeff. Dika Kam. Le grand patron. Ok, dis. Allez, arrêtez avec ça. C'est bien alors. Tu n'as encore rien vu. En fait, pour ça, je veux vous faire sortir. Ouais, ça c'est mon frère. Choisissez n'importe quel endroit. Lève-toi, tiens-toi prêt. Qu'est-ce que tu attends pour te lever? C'est moi qui ai un guide, chérie, comprends-moi. Allez, approche. C'est pourquoi je t'aime. Il n'y a pas de comme toi. Tu es unique. Le business que tu m'as proposé, je ne suis pas d'accord avec ça. Je serai en ville d'ici là, mais ne crois pas que je le ferai. Je ne le ferai pas, je ne suis pas d'accord. Le peu d'argent que je vais l'utiliser pour aller en ville. Mais je ne connais personne là-bas, alors je te demanderai de m'aider, que je m'installe chez toi en attendant. Ok, c'est bon, pas de problème. À demain. Ok, c'est bon, bye bye. Oui. Maman, papa, mon frère et moi avons décidé d'aller à la cité. Nous devons aller à la cité et nous battre comme d'autres jeunes. Et quand nous allons rentrer dans ce village, papa, et quand nous allons rentrer, nous serons grands. Nous sommes obligés de réussir. Hey. Et notre retour fera oh, boum, 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 au village. Comment c'est ce que je veux, papa. C'est ça, mon frère. J'aimerais te rendre fier de moi. Hey. C'est donc ça. Je savais que tu allais y arriver, je savais très bien. Voici mon fils. Ça, c'est ce que je voulais vraiment écouter. C'est vraiment ça. Omekanaya. Je suis contente avec ça. Maman, papa, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas bien compris ce que Ifeke vient de dire là. Ce que cet homme essaie de vous dire, c'est que nous allons là-bas en ville pour faire de l'argent, beaucoup d'argent. Et je vous dis, nous allons le faire comme tout le monde le font. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir revenir ici. Nous devons revenir ici, non? C'est ici notre maison quand même. Mais on n'a pas de choix. On ne peut que réussir. Ce sont des choses que moi j'aime écouter. La maison reste la maison, mon cher, quand même. C'est une bonne chose. C'est ce que j'attendais de vous.
N'est-ce pas, mon mari? C'est une bonne chose, ça me va droit au cœur. Je suis contente de vous. Et toi, ma fille? La beauté de sa mère, ma fierté, celle qui compte double, celle qui a tous les atouts d'une bonne femme. Les garçons de la beauté. Ma fille, je t'aime beaucoup, tu es meilleure. Ah oui, c'est ça, hein. Dis-moi alors, c'est quoi ton plan? Ma chérie, vas-y. Maman, je planifie de me rendre en ville. Ok. Aller chercher un travail. Ok, bien. Je veux que toi et papa vous soyez fiers. C'est ça. Je veux que mes parents commencent à bien s'aimer. Ma fille, je savais. Tu es la meilleure. Je savais que tu allais avoir des bonnes idées, ma fille. Mon mari, tu sais quoi? Après avoir eu tous ces vêtements, nous allons commencer à marcher comme ça. Attends, je vais vous montrer comment nous allons commencer à marcher dans ce village. Avec fierté, je vous dis, mes enfants, attendez, comme ça. Ah oui, comme ça, et avec toute fierté, oh mon Dieu. Mon mari, comme ça, mon mari. Ah oui, mes enfants, je vous bénis. Avec succès, vous allez partir à la cité. Et vous allez faire la fierté de vos parents. Attendez, vous allez voir, mes enfants. Je vous dis. Papa, va faire la demande du titre de Chief Tense. Car la personne que tu vois là prendra son charge. Pas seulement le titre de Chief Tense, mais tout ce que tu veux. Ça va aller, mes enfants. Tu as entendu, mon mari? Écoute ça bien. Maman, que les gens dans ces villages vont commencer à vous respecter. Je vous bénis, mes enfants. Exact. C'est ça, maman. Ça va marcher, ma fille, toi. C'est exact. Mon mari, tu vas voir, ça va aller. On va le faire. Mes filles, je vous ai appelé toutes ici juste pour vous dire que je m'attends à vous de grandes réalisations dans cette communauté, dans Ibouche. Faites tout à votre pouvoir. Puisque je ne veux pas que vous soyez débuté de quelqu'un. Écoutez, vous pouvez commencer à acheter des trucs petit à petit. Ainsi, votre business va évoluer, devenir quelque chose de grand. Vous avez des responsabilités à assumer à l'égard de cette famille. S'il vous plaît, pardon, vous avez des frais académiques à payer. Oui. Faites ma fierté, s'il vous plaît. Ne me décevez pas, je vous en prie. Allez-y doucement. N'enviez personne. Exactement, maman. Tu as raison. À partir d'aujourd'hui, on fera tout pour te rendre fier de nous. Et on te promet qu'on ne va pas te décevoir. Sois calme, maman. Maman, allez, détends-toi. T'inquiète, on ne va pas te décevoir. On fera tout pour ne pas devoir qui que ce soit. On ne va pas commencer à s'endetter. On fera ta fierté, maman. Tu n'as pas besoin de te déranger pour ça. Sois calme. Merci, mes chéris. J'ai mis tout mon espoir en vous. Je sais que vous ferez ma fierté. C'est bon, maman. Je compte sur vous, mes filles. Nous serons sages. Soyez sages. Distinguez-vous de votre génération. Avance. Si tu veux pas que je t'explose la tête. Allez, ouvre ce sac. Ouvre le sac vite. Dis, ouvre le sac. Ouvre le sac. Dépêche-toi. Ouvre vite le sac. Ouvre-moi ce sac. Dépêche-toi vite. Qu'est-ce que je viens de dire? Ouvre ce sac. Ouvre-le. À genoux. À genoux vite. À genoux vite. À genoux. Mets-toi à genoux, espèce de cinglé. Idiot. Anya, ne me dis pas que c'est tout ce que tu as eu hier. C'est moi le plus grand.
Tu veux que je te le rappelle? C'est quoi ton problème au juste? Ai-je enlevé un seul centime de cette somme, hein? Tu m'as vu retirer un seul centime? M'ouvres-tu tes yeux? C'est quoi ton problème? Oh non, es-tu en train de... Je n'aime pas ce que tu viens de dire, sérieusement. Oh. Écoute, hein, que ce soit ta première ou ta dernière fois, es-tu malade? Hein? Même si nous travaillons ensemble, tu dois me respecter. Et qu'en est-il du sac que nous avons pris chez cette femme-là hier? Cette femme-là, hein? Ne sois pas influencée par sa taille, il n'y avait que 2000 dans son sac. Tu me parles de 2000 et pourtant on l'avait vu dans les distributeurs. Tu ne peux pas oublier, je t'ai dit qu'il n'y avait que 2000 dans son sac. Tu as toujours été bizarre à chaque fois qu'on parle d'argent, pourquoi? Et le téléphone alors? Les 4 téléphones? Ils étaient malheureusement abîmés et je devais les envoyer en réparation. Hein, parce que si tu veux qu'on les revende à bon prix, comme à 1000 lira par exemple, il faut qu'ils soient déjà en bon état, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Tu as raison. Je te l'ai dit, si tu veux qu'on revende les téléphones à 1000 lira ou peut-être même à 5000 lira, ça dépend, il faut qu'ils soient réparés. On a besoin d'argent, arrête ce que tu dis là. On doit trouver un moyen pour trouver de l'argent rapidement. On a besoin d'argent, mec. Hein? L'argent pour cette cérémonie-là. Les gens doivent parler de nous. Ifegwe, laisse-moi te dire ceci. Si tu acceptes, tu vois ce marché là? Celui qui se trouve au coin, juste au coin là, juste coin, avant là, de virer là-bas. Okay. Mon cher, tu sais quoi? Je pense que hier là, hein, il cherchait des téléphones à acheter, mais en même je n'avais pas ceux qui étaient en bon état. Si tu savais la façon dont j'avais regretté, j'ai vu l'argent me passer sous mes yeux juste comme ça. Hein? Mec, je vois, pas de problème. Où est l'argent? Donne-moi alors, on va partager. Les petits enfants, vous avez grandi. Mais qu'est-ce que tu donnes à ces enfants? La dernière fois que je les avais vus, ils n'avaient pas cette taille. T'occupe pas de leur humeur. Avant que nous ne venions ici, ils jouaient avec leurs amis comme dans la ferme en folie. C'est la fatigue. Jeff, je peux bien voir que ta femme prend bien soin de toi et de vos enfants. Non, papa, je ne comprends pas là. C'est moi qui prends soin d'elle ou c'est elle qui prend soin de moi? Je comprends non, pas. Non, ne me dis pas ça. C'est la femme qui prend soin de la famille dans son entièreté. Alors c'est à elle qui revient papa, tous les ans. Merci beaucoup. C'est bon, tous les deux vous faites le même boulot. Ah, au moins, ça c'est une meilleure explication. Oui, de la même façon que je prends soin d'elle. Papa. Mais attends une minute, je ne sais pas si tu arrives à voir ça, papa. Maman a l'air plus fraîche que d'habitude. Je ne sais pas si s'est passé quelque chose. Tu es sérieux? Oui, c'est comme si tu avais à peine 26 ans. On dirait une jeune. Oh, maman, tu as l'air vrai. C'est pas ton père. Dis-le à nouveau, mon fils. Tu vois où va toute ma richesse? Tout c'est pourquoi je me bats directement chez elle. Ne commence pas. C'est pas vrai. De quelle richesse parles-tu? À cette allure, sa famille risque de venir pour demander la dot pour la deuxième fois. Papa, je te soutiendrai. Je te soutiendrai, tu le paieras en vraiment. Elle mérite ça. Vas-y, danse, non? Regarde là. Ah, mon petit-fils, tu as grandi, hein? Papa, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Mon amour, je t'en prie, expose-le leur. Ah, maman Dinama. Nous sommes venus vous informer que mon père sera parmi ceux qui seront honorés dans le festival du village. Oh, je suis très content que ton père soit encore en vie et sera là avec nous. C'est pas facile, oh. Oui, papa. Oh. Tu dois atteindre 75 ans. Avant que tu ne meures. Oui. Donc ton père a 75 ans. Oui, il a 75 ans. Ah oui, ça sera aussi l'occasion de 75 ans. Ça, c'est une très bonne chose. Oui. Demain, moi et mon mari, nous arriverons franchement, à je suis content. Cet âge. Nous prions Dieu vraiment.
En arrivant jusque-là, ça n'a pas été facile, maman. Il était ça, tellement combatif. Ça, c'est bien. C'est une bonne chérie. Chose. Chérie. Tu sais qui était arrivé? Oui, à propos du voisin de ton père, c'est ça. C'est pathétique. Pathétique. Le monsieur qui devait être couronné avec mon père dans cette festivité, il était soudainement mort hier. Oh! C'est choquant. Hein? C'est vraiment triste. Ça ne se produira pas dans ma famille au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Dieu ne le permettra pas. Amen. Naï. Maman. Maintenant que la maison est finie, je suis contente. Mais il y a encore un autre problème. Après cela, vous devez normalement organiser une fête pour que les gens viennent voir la maison. Maman, t'inquiète, ok? Tu sais, dans ce genre d'occasions, nous nous habillons d'une façon particulière. Oui, et pour ça, tout est déjà organisé dans ce sens. Alors c'est une bonne chose. Il faut insister, tu dois leur dire que c'est nouveau, nous devons aussi paraître nouveau. Un style un peu nouveau. Papa, parce que, papa, même si tu veux un style de léopard, là, nous le ferons, oui, t'inquiète. C'est pas mal. Trop bien, alors tu vas porter un panne nouveau style. Tu vas paraître jeune. Ça me dérange pas. C'est pas tes anciens pannes que tu portes là. Mon fils. Faut regarder le jeune. Hein. Malheureusement, oui. Tu vas porter un nouveau style. Je suis pas une vieille. Ah oui, c'est ça, je pense que ça ira. En tout cas, je vous donne un coucher. La veillesse dans la jeunesse. Laissez-moi servir. Maman, tu ne me demandes même pas si j'ai faim, hein? Hein? Ne suis-je pas ton fils, moi? Les petits enfants d'abord. Et tu es un visiteur? Tu n'es plus un visiteur, toi aussi. Ma propre mère, voilà comment ce que ma propre mère me répond. C'est quoi le problème? Tu manges ma nourriture? C'est notre tu n'en as pas honte? Allez, vomis-moi ça maintenant. Okay. C'est quoi ton problème? Oh? Tu n'en as pas honte, ma femme. Toi? Faut pas honte, okay, non? Oh. Attends, tu vas voir. Comment as-tu osé entrer dans ma cuisine et prendre ma nourriture pour manger? Oh. Tu n'en as même pas honte, toi? Alors, as-tu perdu ta tête? Nos enfants envoient l'argent. Tu manges seul et tu me donnes rien du tout. C'est quoi tu ton problème? Tu ne pourras rien faire, tu ne peux pas faire ça. Et laisse-moi tranquille, ne me touche pas. Donne-moi ton problème. Non, je vais laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Chez ma famille, tu es un homme éhonté. Ma famille, laisse-moi et ta tranquille. Famille aussi. Oui, tu n'as pas honte. Je dois manger cette nourriture. Fais pas un peu honte, non? Je dois la manger. Laisse-moi tranquille. Donne-la-moi. Ne touche pas ma nourriture. Oh, tu vas pas la prendre. Ne l'achète pas. Pas du donne-moi tout. Donne-moi la nourriture. Hey. Ne me cherche pas. Oh. Regardez-moi cet homme qui n'a pas honte. Nos enfants envoient l'argent de l'étranger. Et dès que ça arrive entre tes mains, tu vas les bouffer toutes seules. Fou. Mensonge. Tu ne vas rien faire. Fais gaffe, hein. Moi? Avec quelle audacité es-tu parti prendre ma nourriture dans la cuisine? Je n'en ai pas honte. Paye ça aujourd'hui. Alors, à cause de ma nourriture, je me frappe. Ma nourriture. Oh, attends. Laisse-moi. Tu vas me tuer. Ne me touche pas. Laisse-moi. Attends. C'est bien. Oui, c'est bon. C'est bien. Oh mon Dieu. Oui. Attends, tu vas voir. Oh mon Dieu. Akame. Oh Mathieu. Hey, bien Akao. Yeah. Odema, bienvenue. Bien. Comment tu vas? Nous allons bien. Et vous? Je veux bien aussi. Est-ce que ton mari est là? Attends. Tu ne l'as pas vu en cours de route quand je venais? Hey, comment ça? Il vient peine de sortir ici. Oh. Non, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas parti très loin. Ok, pas de problème. J'étais venue juste pour avoir les informations sur notre festivité. Ok.
Dis-le que j'étais passée. Je suis déjà en train de partir. T'inquiète, je vais lui dire que tu étais passée. Viens. Et à part ça, comment évoluent les choses ici? Tu sais quoi? Hey! On est en train de préparer une grande fête. C'est vrai. Pour ma fille et son mari. Mon beau-fils. Ton beau-fils. Ils vont construire une très grande maison pour mon mari. Et dans cette maison-là, ils vont décorer beaucoup de choses. Et ils vont faire que mon mari soit vraiment bien honoré ce jour-là, tu vois. Marcher avec fierté. Ce n'est pas vrai. Hein? Ah oui, je te dis, ils sont en train de faire des grandes choses. Ils ont aussi dit qu'ils vont m'emmener au Chine. D'ailleurs, j'avais fait comme si je n'avais rien entendu. Hé, que la gloire soit rendue Amen. À Dieu. Amen. Amen. Tu n'es que mes enfants. Oui, Hey. Mais ils doivent aller doucement. Ils doivent s'asseoir pour calculer les dépenses. Cet argent peut être épargné pour servir à autre chose, non? J'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Parce que vraiment, il m'a révélé nos ennemis aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Tu es donc l'ennemi du progrès? Donc tu as un esprit qui n'aime pas les autres? C'est pour votre bien que je l'ai dit. Est-ce ton problème, c'est ta affaire? Fais-toi, née. Ça te regarde? C'est ton argent? Comment tais-toi? Pourquoi cette jalousie? Mon ami, sors de chez tu moi. Tu n'as pas été fâchée. Sors de chez moi maintenant. Oh. Mon ami. Désolée. Va-t'en. Oh. Jalouse. C'était juste un regarde-toi. Conseil. Regarde-toi. Tu n'as même pas honte de venir ici et me montrer que tu as un esprit mauvais, jalouse. C'est juste un conseil. Oh. J'ai pensé t'apporter le peu que j'avais. Désolée. C'est toujours comme ça, la conseillère. Tu n'as même pas honte de venir me dire des bêtises. Regarde son derrière. Hi-hi. N'importe quoi. Désolée, oh, si j'ai mal parlé. N'ose plus jamais mettre tes pieds ici dans cette maison, sinon je vais te faire du mal un jour. Hein. N'importe quoi. Jalouse. Mauvais esprit. Ne viens plus jamais, espèce d'imbécile. C'est qui t'a fait ça? Hein, c'est quoi le problème? C'est le vieux monsieur qui s'appelle mon mari. C'est lui qui m'a fait tout ça. Non, arrête. Ne l'appelle pas idiot. Peu importe le problème. Je ne te le permettrai pas. C'est ton mari quand même. Après tout. Est-ce que c'est comme ça que les hommes de ton village traitent leurs femmes? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde ce qu'il m'a fait. Moi, je vais le faire oser du mal. Tu connais bien comment il était. Allez, laisse tomber. Ce sont les coups de l'amour. Et ma chère, tu sais, je viens de chez Nguabao pour avoir des informations sur la cérémonie de Ichebu qui aura lieu bientôt. Si tu avais vu comment la femme de Akaneme m'a insultée, hein, terrible, elle m'a appelée de tous les noms. Mais pourquoi t'as insultée? Juste parce qu'elle m'a parlé de sa nouvelle maison que son beau-fils est en train de construire pour eux à l'occasion de Ibuche. Écoutez-moi donc, l'ami. Donc, son beau-fils veut construire pour eux. Juste pour Ibuche, non? Donc elle t'a insulté? Elle m'a insulté juste parce que j'ai essayé de le conseiller. De dire à son beau d'aller lentement avec parce que la conjoncture est devenue difficile. Je lui ai dit qu'elle pouvait orienter cet argent à autre chose pour éviter des dépenses. Mais tu l'avais bien conseillé, non? Juste pour ça. N'est-ce pas que c'était un bon conseil? C'était un bon conseil. Elle m'a insulté. Donc, juste à cause des Ibuche, que tu as vraiment su qu'on veut construire pour eux une grande maison. Tu sais que Ibuche nous fait beaucoup de pensées. On a toujours eu beaucoup de choses à acheter pour cette cérémonie. Qui nous demande beaucoup d'argent. C'est pourquoi... Mais ce n'est pas vraiment normal ce qu'elle a fait. Elle n'a pas bien agi. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je dois aller voir un infirmier. Mon visage me fait tellement mal. Je n'arrive même pas à supporter. Ça me fait aussi très mal à la tête. T'inquiète, ça va aller. Tout ça, ce sont les réalités du mariage. La vie du couple est un défi à relever. D'accord. Oui, maman Nuka. T'inquiète, ça ira. Suis bien ton traitement. Les hommes de nos jours ne sont plus doux. Merci beaucoup, bye.
Interpeller ta collègue qui vient ici. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle était venue te chercher ici et je lui ai dit que tu n'étais pas à la maison. Elle était venue demander juste pour vos contributions là. Oui. Et je lui ai dit que mon enfant et mon beau-fils veulent construire pour nous une très belle maison. Mais j'ai pas compris. Comme des grands hommes. Est-ce que tu connais sa réaction? Quoi? Elle m'a dit de te dire, de dire aux enfants d'être calmes. Pourquoi elle peut dire ce genre de choses? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Être calme, monsieur Bassi. Amam. Qu'y a-t-il de mal si mon beau-fils veut me construire une maison? En tout cas, je ne comprenais rien du tout. Oh. C'est comme si la jalousie se trouve au fond de ce problème. Hein? Oh, Oleji ne veut pas mon progrès. Elle ne préfère que ma chute. Ah. Très bien. Très bien. Elle n'est même pas heureuse pour moi. Hein? Elle n'est pas heureuse. Ok. Que je vois ses pattes encore dans cette parcelle. Oh. Hein? Je vais me charger d'elle brutalement. N'importe quoi. Je risque d'envoyer mes enfants la tabasser jusqu'à mourir. Mon mari. Hé. Hey, écoute, oh, moi je n'ai pas ajouté ça. Oh. Moi j'ai seulement dit que... Hein, hein? Oh, attends. Hein? Donc le beau-fils de Obia est en train de vouloir construire pour eux une très belle maison comme ça. Hein? Donc comme ça, cette famille va commencer à nous mettre mal à l'aise ici, dans ce village. Hein? Et Ichola, ma seule fille, est ici. Elle n'est même pas encore mariée. Ne parlons même pas aussi d'enfant. Jé, n'est-elle pas aussi un enfant comme elle? N'est-elle pas? Say I'm
lumala egala banu tukobo passé, j'avais des cauchemars. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais rien acheter pour mon ebouché, je m'inquiétais. Mais aujourd'hui, mes filles l'ont réalisé pour moi. Quel bonheur! Ma grande joie est que Dieu m'a gardé en vie pour participer à ebouché dès cette occasion. J'ai béni Dieu. D'accord, maman. Merci c'est à bon. Toi. Merci, ma fille. D'accord, merci. Maman. Oui, mes enfants. Maman. Je suis heureuse. Maman. Maman, mais pourquoi on ne ferait pas ça pour toi? Si ce n'est pas pour toi qu'on le fait, pour qui d'autre on le fera? Je suis très reconnaissante. Oui, maman. Je prie seulement pour que Dieu puisse nous bénir, mon mari et moi. Et tu seras très heureuse. Pour ça, tu n'as pas à t'inquiéter. Pour ça, maman, tu ne dois pas du tout te faire de soucis. Nous allons te rendre fière ces jours-là. Hey. Tu seras très surprise, maman. T'inquiète pas, demain matin, ma soeur et moi, nous allons nous organiser, réunir nos fonds et te remettre un peu d'argent pour finir le travail que tu avais commencé enfants, depuis longtemps. Oui. Vous allez me donner de l'argent? Oui, maman. Dieu, je te bénis. Maman. Qu'est-ce que je ferai sans vous, mes enfants? Ce n'est pas vrai. Vous voulez dire que ce n'est pas vrai? Ok. Salut chérie, bienvenue. Que veut dire ceci? N'y a-t-il pas de cuisine dans cette maison? Hein? Êtes-vous dû aller dans vos chambres? Allez vite dans vos chambres. Je m'adresse à un esprit ou à un être vivant. N'ai-je pas de cuisine dans cette maison? Je tenais à être ici pour les assister. Non, mais tu vas te taire. Assiste-les qui tu dis. Et que ce soit bien clair, ok? Plus tard dans ma maison. Tu m'écoutes? N'importe quoi. Ah, okay. Est-ce que les enfants t'ont appelé?
Non, pas encore. Mais qu'ils appellent ou pas. Mais je suis vraiment sûr qu'ils vont accomplir l'arrangement. Oui. Alors, mais... ça ne sert à rien de s'inquiéter. Oui, notre fille avait dit que tout était déjà prêt. Venez pour commencer tout, hein. Oh! N'est-ce pas Oko que je vois là? Tu vois maintenant ce que je te disais? Encore? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Pourquoi tu as l'air triste comme ça? J'ai été viré au travail. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Chai! C'est arrivé où? Et comment? Viré? Comment? Qu'est-ce qu'il passé? Qu'est-ce que tu as fait? Chassé! Papa, je n'ai rien fait, oh! Et ils t'ont chassé! Ha! Pourquoi même? Comment? Désolé, mon mari. Désolé. Allez, va-t'en. Chérie, pardon. S'il te plaît, ne fais pas ça. Belle question. Mais prenez-les toutes pour les poser à cette femme insensée. N'importe quoi. Je m'en vais. Maman, fils, qu'est-ce que maman, fils, regarde, s'il te plaît. Attends d'abord, c'est qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Oh, Viré, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais même faux, moi. Pourquoi il t'emmenait ici avec ton sac? Oh, Manita, ma Dieu, qui m'a fait ça? Oh, Méan. Oh, Guinée. Je n'en sais rien, je ne comprends plus. C'est bon, ça va, ok? Ça suffit. Maman, je ne sais pas ce que je fais. Mais c'est quoi la raison, hein? C'est bon, c'est bon. Maman, je suis perdue. Owanyi bera o imelumala o abayo ko ana lutu anogwe anaye metu anike owanyi bera anaye situ ano imekwelumala egaba nuchukwa gwe imara so anem because woni kwe mimara so sorobu gitiye ya Metu anike imekwelu mala igabeli gwe katapot ici avec Pépé ainsi que Mémé, d'accord? Ils prendront soin de vous. On va aussi partir. Non, 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 restez avec eux, je prendrai soin de vous. Mon fils, réponds-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Non, non, rien, rien, rien du tout, maman. Je veux juste que mes enfants restent ici pour un bout de... Qu'est-ce qui s'est passé? Jeff, parle-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai renvoyé chez elle. Impossible. Cette vie est incontrôlable. Non, 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 non. Je ne peux pas accepter cette bêtise. As-tu perdu la tête? Non, papa, ce n'est pas du tout ça. Tu dis quoi? Je vais m'expliquer, d'accord? C'est impossible! Je ne veux pas accepter cela. Pas besoin d'explication. Je vois que tu es ensorcelé. Hein? C'est pas normal.
Je ne peux pas l'accepter. Cet esprit m'enlève de toi qui t'es ton corps. Dévorant. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Le feu du Saint-Esprit. Le feu dévorant. Libère ses corps. Le feu dévorant. Feu. Voici vos petits enfants. Prenez soin d'eux. Hein? Hey, nous allons prendre soin de tes enfants, mais va d'abord récupérer ta femme. On y va. Attends, attends. On y va. Venez avec moi. Essaie d'abord de te calmer. On y va. Tu iras avec tes enfants. Reviens ici d'abord. Reviens. Oh, bébé. Oui, maman. C'est de plusieurs que ton mari était venu te laisser ici, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Caches-tu quelque chose que tu as fait là-bas? Dis-le. Hein? Bien, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Hein? Et je me suis dit d'attendre qu'elle se calme pour lui demander. Maintenant que tu es rentré, peux-tu me dire ce qui s'est passé? Pourquoi il est venu te déposer comme ça? Qu'est-ce que tu lui as fait? Maman, je ne comprends pas. Je n'ai rien fait. C'est juste quand il était revenu du travail. Il m'a trouvé en train de prêter les légumes au salon. Il s'est mis à crier sur moi directement en me disant que je devais aller faire ça à la cuisine. Et c'est tout, maman. Quoi? Juste ça. C'est juste ça, maman. Je n'ai rien fait de grave. Je ne comprends plus rien. Juste comme ça? C'était une façon pour moi d'être avec les enfants et les assister à faire l'air de moi. Non. Puisque j'étais en train de préparer en même temps. Alors, où sont mes petits-enfants? Ils sont chez leurs grands-parents. Maman. Le garçon ne se rend même pas compte de ce qu'il perd. Il doit savoir que tu es belle comme une tasse de thé et tu brilles et tu fais briller tout ce qui est autour de toi. Nat, comment ça avec ton français là qui est difficile? Qu'est-ce qui se passe avec toi? On parle de choses sérieuses ici, que tu me parles de tes français là qui sont très très compliqués. Elle pleure. Trouvons une solution pour ça. En fait, je voulais juste te dire qu'elle est encore plus belle à l'état de tristesse. Papa, tu as tout gâché avec ton français là. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Je t'avais envoyé à l'école et tu avais refusé. Sinon, tu le saurais. Papa, je ne suis pas étonné. Ah, go! Nice! De belles choses, merci maman. Beaucoup. Oui. Ma fille, En tout cas, une belle surprise. Je peux maintenant sourire. Oh, vraiment, de belles histoires. Adjike, tu m'as vraiment rendu fier, je t'ai dit. Adji de Malaisie. Hey. Ouais. Franchement, vous m'avez énormément surpris, oh. Comme un roi. C'est quel genre de nourriture, hein? C'est le genre de repas que mangeait votre père depuis sa naissance. Ne mange pas ça. Avec ça. Et ça, c'est la banane plantain, avec un peu de légumes, un peu de crevettes et une bonne sauce. C'est vraiment très très délicieux. Non, on ne saura pas manger ça. Vous voulez vous tuer avec la faim? Non, pas ça. Je vous en prie, essayez au moins. Non, pas ça. Ok, mangez un peu alors. Mangez un peu. Tu vois, c'est ce que je disais. C'est Jeff qui a causé tout ça. Comment il peut amener ses enfants au village et les abandonner sans même laisser le genre de repas qu'ils mangent là-bas à la cité? Les enfants sont en train de souffrir maintenant. Ces problèmes. Mais comment est-ce qu'on fera pour nourrir ces enfants? C'est quoi qu'ils ça? Qu'ils viennent prendre ses petits. Je ne sais même pas pourquoi il a chassé sa femme. Je vous en prie, mes enfants, essayez de manger. Le soir, je vais chercher quelque chose d'autre pour vous. Hein? Je vous en prie, ne restez pas en famille. Ok, non. Mes enfants, regardez. Ok, après ces repas, le soir, nous allons acheter pour vous l'hamburger. On va acheter l'hamburger pour eux. Et on va aussi acheter les chocolats. Ça sera fait. Alors venez manger, dépêchez-vous. Non. Oh, venez manger, non. Non, on veut pas. Allez, Bright. Manger. Non, on veut pas, on veut mes pas enfants? Ça. Pas cette nourriture, Bright, non. viens. Va chez ton grand-père. Mon fils. Viens là, approche. Si tu manges ces repas, quand tu vas grandir, je vais t'acheter cette boisson, une boisson très spéciale. Ça s'appelle le champagne. Je sais que tu vas l'aimer, hein? Je vais t'acheter ça et je vais également acheter pour elle. C'est une promesse que je vous ai faite, ok? Pousse un peu la table ici. Franchement, j'aime beaucoup ces repas. Allez-y, il y a un peu de poisson là-bas. Ouvre la bouche.
Regarde un peu comme moi-même, je suis en train de les manger. Ok, donc quand tu manges... Reviens, Brenda. Je n'aime pas ce qu'ils font. Hey, mais quand je n'aime pas ce que je suis en train de voir dans cette maison, cette situation ne me plaît pas. Mais c'est quoi ce genre de problème? Qu'est-ce que vous me voulez? Ça, c'est grave. Donc, Jeff a eu le courage de te renvoyer chez tes parents. Sans avoir consulté qui que ce soit. Il n'a même pas un peu de respect. Il n'a pensé à rien du tout. C'est pas grave. Nous allons rentrer à la cité. Oui. Nous allons rentrer à la cité et tu dois ramener tes enfants. Il n'a pas le droit de te séparer de tes enfants. Tu n'as pas de choix, ma sœur. Tu dois ramener tes enfants là avec toi. Enfin, tu as fait un point là. Maman aussi m'a dit la même chose. Si ce n'est pas à cause de l'amour que j'ai pour eux, je n'allais plus jamais encore mettre mes pieds là. Je n'allais plus revenir. J'en ai marre. Je suis humain, moi aussi. Vraiment, ça me dépasse. Je n'ai rien fait de mal à Jeff. Il a juste changé comme ça. Néanmoins, je vais aller le chercher. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. J'essaie de voir si je peux commencer un business, un petit business. Je pense que... il serait mieux de commencer à gagner mon propre argent. Je dois vraiment commencer un business, un truc du genre... Vendre des choses dans le marché noir. Alors si tu as besoin de quoi que ce soit qui pourra t'aider avec les enfants, en tout cas je le ferai. Non, c'est un bon plan. Mais toi de même, n'oublie pas que tu... doit trouver comment retourner à la cité. Dieu aidant, nous allons toujours finir par nous en sortir. Merci beaucoup. Essaie d'épargner le peu d'argent que tu auras pour retourner à la cité. Ça ira. Ne te dérange pas trop. Dieu va nous aider. Allô? Allô, mon fils? Comment vas-tu? Oui, maman, tout va très très bien. Mon fils, dis-moi, mais pourquoi est-ce que tu as ramené tes enfants au village et après cela, tu les as abandonnés? Hein? Dis-moi pourquoi. Maman, je t'avais dit que ce n'est pas du tout ce que tu penses. Hein? Est-ce que tu entends ce que tu dis? Brenda ne mange plus. Ton fils aussi refuse de manger. Tu n'as rien à dire? Ces enfants ne sont pas habitués à vivre au village. Et tu les as abandonnés juste comme ça. Je suis fatiguée, oh. En tout cas, je suis fatiguée. Viens prendre tes enfants. C'est quoi cette bêtise? Non, maman, écoute. Tout ça ne sont que des caprices. Ils vont s'y habituer. Donnez-le leur juste habituellement. Ils vont s'y habituer, d'accord? Tout ça est juste nouveau pour eux, mais ils vont s'habituer, t'en fais pas. Petit à petit, ils vont prendre le jeu. Hein? Ne te dérange surtout pas, arrête de t'en faire, ok? Et même s'ils ne veulent manger quoi que ce soit, ça viendra avec le temps. Hein? Ne t'en fais surtout pas, parce que quand ils auront faim là, ils vont chercher de la nourriture. Oui, donne-leur du temps, ils vont grandir, ne t'en fais surtout pas maman. Hey! Seigneur, je vais les ramener en ville. Je vais moi-même les ramener.
Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé à mon fils? Hein? Pourquoi a-t-il ramené ses enfants au village? Ce n'est pas normal, ça. Je dois faire quelque chose. Je dois ramener ses enfants auprès de leur père. Seigneur, je t'en prie, viens à mon secours. Je n'en peux plus, mon Dieu, aide-moi. Où est-il? Jeff! Excusez-moi, Jeff! Madame. Excusez-moi, s'il vous plaît. Madame, je vous en prie. Les boss a laissé des instructions ici. Et il est strict à propos. S'il vous plaît, il est strict. Je vous en prie. Jeff! Madame! Madame! Jeff! S'il vous plaît. Madame! Monsieur! Jeff, je suis venu récupérer mes enfants. Je les ai envoyés au village. Tu dis quoi? Village? C'est-à-dire? Jeff, entre à la maison et sors mes enfants maintenant. Je n'ai pas tes enfants avec moi. Ok? Mmh. Maintenant sors de ma parcelle, je t'en prie, va-t'en. Jeff, je ne suis pas en train de blaguer. Reviens ici. Arrête de me faire le sourdre. Pour qui tu te prends, hein? Donne-moi les enfants. Tu veux que je te tue, c'est ça? C'est ça que tu veux? Tu veux que je te tue? Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Boss, risquez de tuer votre femme. Laisse-moi. Boss, s'il vous plaît, boss, pardon, s'il vous plaît, je vous supplie. Je vous supplie, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Oh. Non, mais tu es folle. Sors là tout de suite, ma parcelle. Madame, allons-y, non? Allons-y. Irresponsable, idiot, madame. Tu es. Oh, désolé, allons-y, madame. Sors-toi, s'il vous plaît. Je te prie. J'ai dit, va-t'en. Tu veux mourir entre mes mains, c'est ça? Tu veux que je te tue? Sors vite d'ici. Mais pardon. Allons-y, madame. Allons-y. Ferme-moi bien ce portail, là. Et que je n'arrive pas plus ici. Les amis, s'il vous plaît. Monsieur. Je vous en prie, s'il vous plaît. Jeff, tu ne verras plus rien de je bon ne veux pas dans l'avoir ta ici. Vie. Sors là de ma parcelle. Désolé, monsieur, elle part. Hey, Seigneur, je n'arrive toujours pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ceci m'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que je sais est que le Dieu que je sers ne va pas permettre que le diable puisse me vaincre. Au nom de Jésus. Amen. Mémé, je vais voir maman. Grand-mère, appelle maman qu'elle vienne vous chercher. T'inquiète pas. Très bientôt, il viendra vous récupérer. Oh? Hein? Mon petit-fils, tu dois prendre ces paracétamol pour qu'elle te sente bien. Oh? D'accord? Ça. Oui, maman. Je n'ai rien à dire à défoncer maman, mais un jour, j'aurai un mot à lui dire. Est-il le seul homme? Comment est-ce qu'il... Maman, c'est mal. Jeff, si je te croise, je vais lui montrer que je suis un homme. Papa? Papa, tu vois, Jeff, je veux les tuer. Oh, Jeff, ça c'est une véritable insulte sur ma personne. Oh. Jeff, tu as frappé ma fille. Il ne s'est pas limité là. Il l'a renvoyée ici pour que je la voie. Et il s'est permis d'envoyer mes petits-enfants chez ses parents au village. Oh, Jeff, tu as l'œil plus grand que le ventre. Hein? Je vais me charger de toi, de telle sorte que tes parents ne pourront plus te reconnaître après cela. Qui est même Jeff? Taper ma soeur comme ça! Ça suffit, ma fille. Ça va. C'est ok. Jeff a osé me défier. Il a défié un lion dans une fosse. Papa, je vais tuer Jeff. Je vais le tuer. Laisse-le pour moi. Je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit avec,
avec toute la colère que vous avez. Moi-même, je vais m'occuper de lui. Je suis très content. J'aimerais parler à nos enfants. Ça fait des mois maintenant que je n'ai appris rien d'eux. Où es-tu en contact avec eux? Laisse-moi le savoir. Ogabazi, quand est-ce que cette timidité va te quitter? Tu es trop fermé. Hein? Tu demandes à mes enfants si c'est moi je parle avec eux. Mais ils sont allés chercher l'argent, n'est-ce pas? Ils sont allés chercher l'argent. Et lorsqu'ils vont revenir dans ce village, et bientôt, quand ils vont revenir ici, regarde, demande-moi, hein, qu'est-ce qui va se passer, hein? Ils seront au top cet instant. Je te dis, oh, Maï fait quoi? Maï là, Maï chola. Mes enfants sont allés se faire de l'argent. T'inquiète, tu vas le voir bientôt. M'as-tu entendu? Tu l'as dit. Nége. Oh, le moins. Tu es vraiment terrible. Hey, c'est ça. Tes mots sont tellement romantiques. Et tu vois la manière dont tu me touches. Mon cœur a réduit ses... C'est ce que je dis. Nos enfants sont allés chercher l'argent. Ils sont allés travailler pour la fierté de nous, leurs parents. Les problèmes que j'ai avec toi et la manière dont tu parles de l'argent, ils iront prendre l'argent et viendront avec. Parce que l'argent est bon. Ils iront comme l'argent fait que le monde marche très bien. Non, mais écoute-moi. L'argent fait la fierté du monde. Il y a un adage qui dit... Oublions alors les passes. C'est fini, arrête-moi là. Laisse-moi te demander. Pourquoi est-ce que tu es en train de penser à des choses impossibles? Pourquoi est-ce que tu es en train d'imaginer ce genre de choses? Quand tu es en train de demander à tes collègues de contribuer, alors que tu ne l'as jamais fait toi-même, n'as-tu pas honte de toi-même? Hein? Tu devais vraiment avoir honte de toi-même. Tu ne pouvais pas vraiment donc avoir ce courage. Je sais que quand mon père me regarde, là il me regarde très bien, il m'appelle Olucha, la fille de son père. Tu le sais bien, regarde-moi très bien. J'ai pas dit que je regrette de t'avoir épousé, oh. Mais je t'en prie, oh, calme-toi, hein, calme-toi. Ils vont venir avec beaucoup d'argent, t'inquiète. Hey, on dit crema, hein, on dit ketchup, on ketchup là, disons, qu'est-ce que ça, il y en a un poteau. Alors calme-toi. Mais avant cela, va d'abord payer ta contribution là-bas. M'as-tu entendu? Va vite donner. Après, nous allons attendre nos enfants quand ils vont revenir avec beaucoup d'argent. J'espère que tu m'as bien compris. Vraiment. On verra. Comment est-ce que maman et papa peuvent venir nous laisser ici sans même se soucier de nous? T'inquiète, j'ai un plan. Qu'est-ce que grand-mère et grand-père diront à propos de ça? Chukwu agwo.
Wanda! Brenda! Je suis là! Brenda! Mais où sont-ils partis? Mais où sont-ils partis? Ils ont laissé la maison ouverte comme ça. C'est quoi leur problème? Brenda! Brenda! Hey, hey! Brenda! Oh mon Dieu! Que ça ne soit pas ce à quoi je pense. Où sont-ils partis? Seigneur, aide-moi. Hey! Mon Dieu, c'est pas vrai. Je dois sûrement me tromper. Brenda! Bride! Oh mon Dieu! Brenda! Bride! Hey, Seigneur, c'est pas vrai. Je suis en train de rêver, oh. Je suis en train de rêver. C'est pas vrai, oh. Nai! Nai! Oh, Seigneur, c'est pas vrai, oh. C'est pas vrai, ça. Hein? Je suis en train de rêver. Nai! Mon Dieu, oh! Et hey, oh! Où sont-ils partis? Bride! Brenda! Mais pourquoi elle est en train de crier leur nom comme ça? Est-ce que ça veut dire que ses enfants ne sont pas là? Nai! Oui? Nous sommes finis. Comment? Nai, ses enfants ont fugué. Je les ai cherchés partout et je ne les ai pas trouvés. Brenda! Es-tu sûr de ce que Bright! Tu dis? Hey! Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? J'ai vérifié partout dans la maison et je ne les ai pas trouvés. Que veux-tu que je dise? Ils ont fugué. Bright! Hey, arrête de crier. Arrête de crier. Calme-toi, calme-toi. Arrête de crier. N'écris pas. Laisse-moi les appeler avec ma voix d'homme. Hey! Ok? Aussitôt qu'ils vont entendre ma voix, la meilleure voix du hey. Meilleur grand-père, ils vont répondre immédiatement. Alors vas-y, Nai, appelle, appelle-le. Vas-y, Brenda! Brite! Brenda! Brite! Brenda! Hey. Nai, donc ça veut dire. Hey, que ses enfants ne sont pas là. Qu'est-ce que je vais dire à mon fils? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que je vais dire? Brenda! Bright! Bright! Hey, Brenda! Oh! Bright! Hey. Hey, je suis foutu. Hey, faisons ceci. Qu'est-ce que c'est? Arrête de pleurer et calme-toi. Ok? Calme-toi. Va d'abord vérifier la maison de leur père. Et vois s'ils sont là. Mais comment est-ce qu'ils seront là-bas? Quelle question comme ça? C'est depuis quand qu'ils ont commencé à se rendre là-bas? Hein? Je suis en train de te parler de choses très importantes et tu me racontes autre chose. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ton problème? Laisse-moi crier, peut-être que les gens vont m'aider à les retrouver. Brenda! Brenda! Crier ne va pas résoudre le problème. Brenda! Aide-moi, allons chez maman au cas où peut-être qu'ils sont là-bas. Oh, je calme-toi, laisse-moi les clés. Hey. Je dois d'abord entrer dans la maison. Tu ne peux pas venir avec moi. Tu ne peux pas laisse-moi chercher tes petits. Prends la clé, prends ton tu vas comme ça? Brenda! Bright! Hey! Hey! Brenda! Hey, mes petits! Oh. Où sont-ils passés? Où êtes-vous? Brenda! Bright, mes enfants! Hey! Mais où est-ce qu'ils sont partis, ces enfants? Ils veulent me créer des problèmes. As-tu fini de préparer? Oui. Où est ma nourriture? Depuis que tu es réveillé le matin, tu t'es demandé ça et là, c'est maintenant que tu m'as demandé. Qu'est-ce que tu racontes? Ça se trouve où? Va voir à la maison.
Ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Tu as laissé ces petits plats pour qui? Chéri, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Suis-je ta cuisinière? C'est moi ta femme? Oh, j'ai quitté la cité juste pour venir préparer pour toi? Hein? Dis-moi, pourquoi on se demandé de la nourriture? Hein? Non, j'ai laissé la cité pour venir jeûner ici. Je vois que tu Contends ta bouche, regarde ce que tu dis. Digom, appuie-moi, Kao. Ce n'est pas moi qui t'ai viré, ce n'est pas moi qui t'a chassé du boulot. Respecte-toi. Si tu ne te respectes pas, j'en finirai avec toi dans cette maison. Hein? Garde à toi. Tu veux me battre pour la nourriture? Garde à toi, je dis. Allez, fous-moi la paix, c'est quoi ce bêtise? Joue pas avec moi. Viens ici, tu blagues avec moi. Tu veux... Ah, maman, maman, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Laisse-la tranquille. Qu'est-ce qu'il te passe là? Veux-tu la tuer? Maman, demande-lui ce qu'elle m'a laissé comme ça. La ferme, Oruchu. Quitte-la. Veux-tu la tuer? Tu penses que je suis ta bonne pour commencer à préparer pour toi? Ça suffit. Papa, interdit ton fils, oh. Il me cherche des problèmes. Tu me manques de respect, c'est parce que je suis revenue ici. Ça suffit. Ne me prends pas pour ça. C'est bon. Et donc, c'est comme ça que tu veux mettre fin à la vie de ta soeur? Est-elle ta femme? Pourquoi doit-elle me laisser enfermer à chaque fois? Viens manger maintenant, non? Ne me la ferme, je ne même pas. Gare à toi. Tu parles aussi. Pour préparer pour toi. Tu n'as qu'à te trouver une femme. Okoya. Okoya. Écoute, attention, hein. Maman, faut me laisser. Faut me laisser. Je sors. Allez, va-t'en. Va-t'en. Y a pas de allez, va-t'en, va faire ce que bon te semble. C'est quoi ça? Peut-être qu'à ton retour, tu auras repris tes sens. Papa, faut l'interdire. Je n'ai pas laissé ma maison, mes enfants pour venir ici préparer pour lui. Ça suffit. Papa, je n'apprécie pas ce qu'il fait. Oh, oublie tout ça. Je ne le blâme pas. C'est Dieu que je blâme. Ça suffit, ma fille. Monsieur Ken. Docteur. Je vous prie de nous excuser. Juste attendez-moi dehors. Ok, docteur. Je pense qu'ils sont stables maintenant. Oui, docteur. Vous devez juste les surveiller. Ok, docteur. Laissez-moi parler à leur père. Oui, docteur. Infirmière. Tu peux le mettre ici. Je vais le nettoyer. Ok, c'est bon. Occupe-toi de ça alors. Docteur. Dites-moi, ils vont survivre? C'est probable. Leur chance de survivre est de 40 à 60%. Ok. Juste 40-60. Je suis fini. Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi à sauver leur vie. Je vous paierai n'importe quelle somme vous voudrez. Dites-le moi seulement. Je vous supplie pour l'amour du ciel. S'il vous plaît. C'est bon. Avec l'aide de Dieu, tout sera possible. Mais pourquoi votre femme vous a-t-elle abandonné tout seul comme ça? Pour vous occuper de ses enfants à l'hôpital? Est-ce que tout va bien? Docteur. Docteur, vous ne comprendrez pas. Ils ne sont pas mes enfants. Quoi? Oui. Et d'ailleurs... C'est bon, ok? Juste voyez-moi dans mon bureau, ok? Prenez soin de vous. Je serai juste ici. Réponds, réponds.
Papa? Oui. Maman? Vous vouliez me voir. Je ne sais même pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, où sont mes enfants? Je ne les vois même pas depuis que je suis arrivé. C'est la raison pour laquelle nous t'avons invité. C'est pour ça que nous voulons te voir. Écoutez, je ne sais même pas ce que vous voulez et je m'en bats les couilles, ok? J'ai besoin de voir mes enfants tout de suite. Sinon, je vous ferai tous arrêter. Tu la fermes! C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as avec toi? Tu oses pointer ton sale doigt à ton père? Tu me fais ça? Hein? Qu'est-ce que tu as? Papa, je me fous complètement de ce que tu dis, ok? Ce sont mes enfants. Et je après quoi? Je les ai laissés ici afin que vous puissiez prendre pourquoi ça tu n'étais pas venu quand on t'appelait? Quoi? Où est-ce que tu étais? Pourquoi tu n'étais pas venu les récupérer quand on t'appelait? Où sont mes enfants? Oh, attends, vous avez essayé de chasser mes enfants, c'est ça? Hey! Ok, pas de soucis. Je vais tout de suite prévenir la police. Comme ça, ils viendront vous arrêter pour ce que vous avez fait. Je reviens tout de suite. Donc tu es. Vas-y, après, pauvre idiot. Reviens ici. Nous sommes maintenant. C'est aujourd'hui que tu te rappelles que tu as des sorciers. Où est-ce que tu étais quand t'appelais? Non, faut pas partir. Reste là. Reste là, j'arrive. Tu n'as pas honte. Tu es vraiment malade. Non, réveille-toi cet enfant. Où est-il? Il est parti. Où est-ce qu'il est passé? Il est déjà parti. Non, reviens me défier. Oui, qu'il vienne. Viens défier ton père. Reviens. Reviens ici me défier, non? Qu'il revienne me défier. Moi, son père, il ose me dire ça. Mais qu'est-ce qu'il a? Hey! Hey! Voyez-moi ce quelle bêtise! Pour qui tu te prends? Il faut revenir ici, oh Jeff! Reviens ici, mes défiés! C'est comme ça que tu le traites! Il ose nous accuser à tort dans notre propre maison! Tu es un ingrat! Je vais les maudire! Il est parti! C'est quoi ça? Après tout ce qu'on a fait pour lui, où est-ce qu'il était quand on l'appelait qu'il vienne récupérer n'importe ses quoi. Enfants? Cet enfant est malade! Moi! Comment tu te sens maintenant? Ça va. T'inquiète, ça va aller, hein? Et toi, ça va? Je me sens faible. T'inquiète, ça ira bien. Hein? Bientôt, vous allez sortir. Ah, docteur. Est-ce qu'il y a évolution? Oui, ils évoluent bien. D'accord. Reviens ici. Où penses-tu aller avec mon argent? C'est-à-dire? Arrête de raconter des bêtises. Va chercher ton argent là où tu l'as déposé. L'argent que j'avais gardé sous mon lit cet après-midi a disparu. Tu es la seule personne qui peut faire ça. Oya! Respecte-toi. Donne-toi du respect. Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. Donne-toi du respect. Donne-moi mon argent, respecte-toi. Donc, après avoir souffert, voler ton argent? Voler ton argent? Ce n'est pas de ta faute. Respecte-toi. Tu ne veux pas entendre, hein? Reviens ici. Ne blague pas avec moi. Tu veux me combattre? Tu veux me combattre? Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Tu ne sais même pas prendre soin de toi-même. C'est quelle bêtise. Laisse-moi, laisse-moi. Obéa. Papa. La raison pour laquelle je t'ai appelé ici est de te supplier. Je suis ton père. Je te demande de rejeter toutes sortes d'orgueil que tu as en tant que femme pour aller arranger les choses avec ton mari. Je sais que ça peut marcher. Je t'en prie. Papa? Papa? Je t'écoute. Si c'est pour ça que tu nous as appelés ici, je serais désolée de te décevoir. Oui. Jeff, là, c'était en train de flirter avec d'autres femmes. Maintenant, il court derrière toutes les femmes. Oh, s'il te plaît, n'aborde pas ce sujet à ce sens.
Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi? Qui est Jeff? Jeff Aumônier? N'est-il pas un être humain? A-t-il des têtes? Il est juste comme tout le monde. Si je me décide d'épouser un autre homme aujourd'hui ou demain, je le ferai. Je vais l'épouser. Qui est Jeff? Qu'est-ce qu'il va me faire? Bien, c'est vraiment comme ça que la femme perd sa fierté. Et pourtant aussi, tu as déjà des enfants. Ta séparation avec Jeff ne facilite pas les choses à tes enfants. Tu dois avoir un grand cœur. Tu dois supporter. Tu dois bien regarder tes enfants. Tu sais qu'ils sont là avec qui maintenant? S'il te plaît, tu n'as qu'à faire ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu sais que la séparation n'est pas une bonne chose. La séparation n'est pas une bonne option dans les affaires, surtout familiales. Je comprends très bien ce qui était arrivé. Je comprends très bien comment tu te sens. Je t'en supplie en tant que ta mère. Fais ça juste pour le bien de tes enfants et pour cette famille. Papa? Obéal, si tu refuses, bon, ok. Si tu dis que tu ne vas pas faire la paix, comment vais-je m'y prendre avec la cérémonie au Boutier? Peu importe. Peu importe comment tu le voudras. Ça m'est égal. Mais pour moi, Jeff fait partie de mon passé maintenant. Ça, c'est quel genre de diable comme ça? Quel diable? C'est moi que tu appelles diable? Je suis désolée. Obéano, qu'allons-nous faire alors? Ah oui, Emeka, où es-tu? Oh oui, viens, docteur, viens, je suis à l'hôpital. Docteur, oui. Je vous en prie, venez vite voir ces enfants. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Venez, s'il vous plaît. Oludjien, tu as dit que tu voulais me parler. Ou veux-tu, si tu penses vouloir me créer des ennemis, eh bien sache que je suis prêt pour ça. Est-ce pour ça ou tu veux encore créer d'autres ennuis? Hein? Si tu veux des ennuis, je vais te créer des ennuis. Ok, vas-y. Parle-moi, vas-y. Oumouma, mon mari, s'il te plaît, jusqu'à quand allons-nous continuer avec des troubles? Ne pouvons-nous pas vivre en paix? Nous sommes en train de grandir, s'il te plaît. Si seulement je t'avais insulté, mon mari, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie au nom de Dieu. Je ne vais plus jamais le refaire. Je t'en prie, mon mari. Arrêtons ça, je t'en prie, chérie. Nos enfants sont en train de grandir. Un mois, oh? Oh, Ludier. Es-tu la personne que je vois ou une autre personne? Je te jure, mon mari, t'inquiète. C'est vraiment moi qui te parle. Es-tu sûr que ça vient du fond de ton cœur? Bien sûr, mon mari. J'ai changé au-dedans de moi. C'est vraiment moi qui ai changé. Je te dis la vérité. Hey! Le diable est un menteur. Oludjien. En tout cas, le diable est un vrai menteur. Ne t'inquiète pas, mon mari. Moi-même, je vais préparer pour toi. T'inquiète, chérie. Oh, Ludier. Oui. Écoute, je ne t'ai jamais vu aussi tendre qu'aujourd'hui. Ojibehu. Ngoli maro bidia. Yo di lego jo kuna ale. Je t'aime beaucoup. Tu es pardonné. Même ce jour-là, ce même jour-là que ce problème stupide nous est arrivé. Calme-toi. OK. Essaie de te détendre. Tu es mon amour. Tu es mon cœur. Mon chouchou.
Tu es vraiment l'amour de ma vie. Oh, qu'est-ce que je t'aime, chérie. Bébé. Obidje. Toujours toi. Oludji, ma femme bien-aimée. Chérie, j'aimerais savoir une chose. Dis-moi un peu, as-tu des nouvelles de nos enfants? Mon mari, je ne comprends plus rien. Je suis vraiment inquiète. Oh mon Dieu. Je suis très très inquiète. Je n'ai aucune nouvelle d'eux. Sans leurs nouvelles? Je n'ai aucune nouvelle de leur part. Je n'ai aucune information sur l'un d'eux. Je te dis, ça me fait très mal. Ça me dérange énormément. Je ne sais même pas s'ils sont encore en vie. Que Dieu l'interdise. Hein? Ils doivent être en vie. Les dieux que je prie ne m'abandonnera jamais. Dieu, les dieux de nos ancêtres, va les protéger et les guider. Amen. Amen. Ma femme, calme-toi. Ils iront bien. Ça commençait avec nos ancêtres. Et chaque génération l'a célébré avec succès. Qu'est-ce que tu fais encore là, mon mari? Mon frère Emmanuel est mort. Serais-je maintenant quelqu'un qui ne peut pas avoir de l'aide? Tout fier à quoi? Ah, vraiment? Nous allons réussir. Amen. Amen. Parce que tu n'es prions seulement Dieu qui nous fasse grâce, que nos enfants rentrent avec beaucoup d'argent comme il nous l'avait promis, chérie. C'est ça, non? Hein? C'est un conseil de sagesse à toi, mon fils, de laisser ta sœur tranquille. Peu importe ce qui se passe, elle est encore la femme d'autrui. L'autre jour, tu voulais la tuer pour une offense qu'elle n'avait pas commise. Pour ton information, c'est moi qui avais pris cet argent que tu lui demandais de te remettre. Oui, tu m'appartiens ainsi que ton argent. Et maintenant, tu voulais la tuer. Si tu la tues, quel bénéfice auras-tu? Vous deux, vous devriez être en parfaite communion. Oui. Hein? Vous êtes censé être en communion. Et donc, ce qui s'est passé ce jour-là, je ne veux plus que ça se reproduise. Regardez la situation dont j'ai fait face. La cérémonie de la retraite, hein? Notre Ibuche. Et l'argent qu'on nous a demandé à payer. Ça nous amène quelques pressions psychologiques avec une tension artérielle qui monte concomitamment et des tentatives d'arrêt cardiaque. Ne faites pas en sorte que j'en sois victime.
Si vous ne voulez pas que je meure avant cette cérémonie, faites des choses qui vont garder mon cœur intact. Si tu penses que tu manques à faire ici au village, tes amis partent à la chasse chaque jour, ok? Tu es censé aller à la chasse avec tes amis, tuer un gibier et le préparer pour moi. Tu es jeune et plein d'énergie, tu sais bien comment faire les pièges. Moi aller à la chasse, papa. Ha! Ah, mais tu l'as fait avant? Il ne sait que me battre tout le jour. Au moins, si tu attrapes un gibier, tu vas l'utiliser et préparer pour moi. Hein? Papa, je t'ai entendu. Personne ne veut te tuer. Tu ne vas pas mourir. Mais mon problème est que je veux seulement qu'on me respecte. Commence à te respecter toi-même. Il faut lui dire de contrôler sa bouche. Elle finira par la tuer un jour. C'est ta propre papa, tu bouche vois ça qui te tuera. Devant toi. Écoutez, je vous ai appelé et pour faire la paix de ici, maîtrise pas pour de vos disputes. Moi, je veux du respect. C'est tout ce dont j'ai besoin. N'importe quoi. Je veux du respect. Ta bouche te tuera pendant que je ne sais pas te respecter. C'est bien. Je suis content puisque vous venez de m'entendre. Et je sais aussi que vous n'allez plus le répéter. Ce que vous faites là, ce ne sont que des... je peux l'appeler des bruits merveilleux. Hein? C'est vraiment ça que j'espère. En tout cas, c'est ça que je vous demande. Parce que je ne prie pas que ma maison devienne une sorte de champ de bataille. Écoutez-moi. Ah bon? Monsieur Ken. Ah, docteur. Écoutez, nous avons essayé de notre mieux, vous voyez. Mais quoi, docteur? Juste calmez-vous. Calmez-vous. Docteur, quel est le problème? Calmez-vous, je dis. Écoutez, j'essaie de vous dire que la situation n'était pas du tout bonne. Mais vous devez prier et remercier Dieu parce qu'il a sauvé leur vie. Voilà. Oh, merci, mon Dieu. Oh, merci, docteur. Oui, remercie Dieu. Oh, merci, mon Dieu, merci. S'il vous plaît, infirmière, Ijoma. Tu es bon, Seigneur, merci. Ok, très bien. Je suis très heureux. Hein? Conduis-le où se trouvent les enfants. Il voudra les voir. D'accord. Okay? Rassurez-vous de me voir dans mon bureau. D'accord, après, merci, docteur, je serai là. Je vous en prie. D'accord. Pas de problème. Après vous, madame. Oh, mon Dieu, je suis tellement content. On ne te connaît pas. C'est vrai, oui. Bon, très bien. Appelez-moi oncle Ken. La dernière chose dont je me rappelle, on était sur le boulevard, sur le point d'aller à la cité. Oui, Brenda, tu as raison. Ce n'est pas grave, ok? D'où est-ce que vous venez? Nous venons de la ville de Enugu et notre maman vient de Orofa. Notre papa aussi à la cité. Attendez une minute. Vous êtes vraiment en train de me troubler là. Vous avez parlé du village et là maintenant vous avez parlé de la ville. Ok, où est-ce que vous allez tous les deux? On ne sait pas, tonton Ken, on ne sait pas. Ok, c'est d'accord. Vous reconnaîtrez la maison de votre mère si vous la voyez? Oui, tonton Ken. Ok, entrez dans la voiture.
Oh mon Dieu. Où sont partis mes petits enfants? Mes ennemis me veulent du mal. Ils veulent ma mort. Je n'ai qu'un seul enfant. Je n'ai qu'un seul enfant. Et maintenant mes petits enfants ont disparu. Qu'est-ce que je fais de mal? Mon Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, mon Dieu, pour mériter tout ça? Où sont partis mes petits enfants? Oh mon Dieu, où es-tu? Où es-tu, mon Dieu? Mes deux petits enfants sont partis. Seigneur, mon Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Par où est-ce que je vais commencer? Hey! Oh mon Dieu, oh! Hey! Mes enfants, oh! Hey, mes petits! Hey! Ma chère, qui as-tu? Pourquoi pleures-tu? Naï, j'ai pas de paix. Je n'ai pas de paix, oh Naï. Quelque chose est-il arrivé? Tu me poses la question? As-tu oublié ce qui nous est arrivé? Seigneur, tu ne te rappelles plus? Où sont tes petits-enfants? Réponds-moi. Réponds-moi. Calme-toi. Qu'est-ce qui peut encore nous arriver de pire, plus que ça? Tous ces derniers jours, tu ne fais que pleurer. Arrête de pleurer, tu vas te faire du mal. C'est comme si tu es derrière ces problèmes. Tes larmes ne vont pas les ramener maintenant, là. Nous avons informé la police, l'armée, les vigiles. Rappelle-toi, on dit souvent que la police est ton ami. Au moment où je te parle, ils sont en train de chercher... Non, la police est l'ami de qui ? Laisse-moi tranquille. C'est quoi ton problème ? Laisse-moi pleurer mes petits-enfants. Ils vont les trouver. Oui. Tous les deux. Oui, je sais. Ça fait combien de jours depuis qu'ils sont disparus? C'est pas un problème. La police n'a pas de limites. C'est depuis que leur père m'avait construit cette maison que tous mes problèmes ont commencé. Pourquoi ça m'arrive? Je sais tout ça, mais essaie d'abord de te calmer. Essaie de te calmer. Calme-toi. Commence d'abord par te calmer. Arrête de pleurer. Ça ne va résoudre aucun problème. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Bright. Hey, Nayo. Qu'est-ce qui m'arrive? Bright, oh! Bright, où êtes-vous? Eh hey, mon Dieu! Hey, nos petits enfants ont disparu. Où sont-ils? Naï, dis-moi. Eh hey, oh! Ok, c'est bon. Hey. Calme-toi, non, ça suffit. Ça suffit. On va les retrouver. Oui, je sais. Hey. Ils finiront par les retrouver. Naï, ça me fait mal. Calme-toi. Mes petits enfants sont perdus. Je dois sûrement être en train de rêver. Calme-toi, c'est non? Pas vrai, oh! Que quelqu'un vienne me réveiller, c'est pas vrai, oh! C'est pas vrai! C'est bon, calme-toi. Mes petits enfants sont partis! Ce sont des enfants de Dieu, rien où ne va les arriver. Qu'est-ce qui leur est arrivé, mon Dieu? Dieu fera en sorte qu'ils soient retrouvés. Quand me ramène mes enfants? Quand me ramène mes c'est petits? C'est bon! Hey, arrête! Je veux tu risques voir. De te faire du mal, non? Quand me ramène mes petits enfants? Oh. Bien, mon nom est Ken. Je les ai tamponnés il y a 2 mois de cela. Je vous le jure, ce n'était vraiment qu'un accident. Bien, depuis tout ce temps, je les ai gardés chez moi dans ma maison. Et Dieu merci, ils vont tous très bien maintenant. Et aujourd'hui, je les ai ramenés. Vous avez pris soin d'eux? Oui, monsieur. Ah, salut, oh. Salut. Et donc, vous avez pris soin d'eux dans votre maison? Oui, monsieur. Oh, donc dans ce monde, les bons samaritains existent encore. Puisse mon Dieu te bénir. Merci, monsieur. Mon fils, que Dieu te bénisse. Mike, est-ce que tu vas bien? Oui, grand-père. Et alors toi, Brenda? Ah, Dieu merci, vraiment. Oh, Dieu merci. Je ne sais quoi t'offrir pour ce que tu as fait, mon Dieu. Tu as épargné mes petits-enfants d'un grand danger. Oh, mon Dieu merci. Merci, monsieur. Dieu vous bénira. Amen. Mon frère, merci. Il n'y a pas de quoi, mon frère, il n'y a pas de quoi. Merci. Monsieur, je crois que je devrais rentrer. Très bien, sentez-vous à l'aise de venir chez moi à n'importe quel moment, n'importe quel jour. Parce que l'acte que vous avez posé fait de vous un membre de ma famille. Merci, monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Mon frère. Je vais t'appeler après pour ma requête là. Ok, ce n'est pas grave, c'est pas grave, mon cher, ok? Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Merci beaucoup. Dieu merci. Il y aura toujours des bonnes personnes dans ce monde.
Comment est-ce que mes enfants ont pu échapper à ma mère au village? Comment expliquer ça? C'est incroyable ça. Salut frère, frère, comment tu vas? Bro, ça va? Très bien. S'il te plaît, je pars vers Malaton. Malaton? Hein? Malaton, Malaton. Ok, après cette direction, l'autre est là. Ah, c'est oui, à gauche, c'est non ça, là-bas. C'est ça. Tu connais bien le coin? C'est 5000, non? Ah, coopère bien, non? Laisse-moi te donner 3000. 3000, ah. Au calme-toi. Tu sais que le prix du carburant est haut, non? Hein? Bon, c'est pas grave, donne-moi 4000. 4000? Oui, 4000. Donc toi, tu veux plus d'argent que les hommes? Ok, c'est pas grave. Parque la voiture. Pourquoi? Je demande de parquer. Pardon? Tu es malade. Que je parque ma propre parque voiture. Parque la voiture, j'ai... tu es malade. Tais-toi. Tu sais ce que tu vas faire maintenant. Allez, souris. Souris, hein. Ah, ça, c'est mon pote. Tu sais ce que tu vas faire maintenant. Quoi? Tu vas juste descendre. Écoute, pas de bruit. Si tu fais des bruits, t'es un homme mort. Et où? Ravi de faire affaire avec toi. Ok? Grand boss. Descends là, sinon je te descends. Sors de la voiture. Laisse les contacts. Laisse-le là. Venez, 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 des voleurs. Voleurs, hein. Voleurs, ils sont là, à l'intérieur. Ils m'ont volé la voiture. Venez, 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 venez. Voleurs, voleurs, des voleurs, venez. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Aïe. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi partir. Laisse-moi, non. Laisse-moi. Laisse-moi partir. Laisse-moi. Laisse-moi. Aïe, aïe. Laissez-moi, 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 aïe, aïe, laissez-moi partir, laissez-moi, laissez-moi, aïe, laissez-moi, aïe, laissez-moi partir, non, laissez-moi, j'ai rien fait, moi, j'ai rien fait, laissez-moi, aïe, 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 pardon, pardon, laissez-moi, je vous en supplie, laissez-moi, 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 non, laissez-nous, on n'a rien fait, on n'a rien fait. Laissez-nous, 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 non. Aujourd'hui, vous saurez.
idioma, ma fille. Sois la bienvenue. Hey, ma fille, bienvenue. Mais, ah. Qui est-ce que je suis en train de voir? Ah, Idjawa. Ma fille, bienvenue. Ça va, fais-moi un câlin. Comment s'est passé ton voyage, ma fille? Dis-moi. Oh, Guini, qu'est-ce qu'il y a? Papa. Pourquoi ton numéro est comme ça? Vas-y, parle-moi. Maman, mes frères sont morts. Mes frères sont morts. Quoi? Papa? Hey. Papa? Maman? Papa? Papa? Ne te passe ça, s'il te plaît. Papa? Ne te passe ça, je t'en prie, réveille-toi. Arrête de faire des bêtises, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi. Tiens-toi debout. Ma fille, s'il te plaît, on sera en médecin. On vient de me donner ces médicaments. On m'a dit que c'est contre la fièvre. Je crois que ça va beaucoup t'aider pendant la nuit. Et aussi les frissons avant de quitter. Ça va marcher, ma fille, t'inquiète. Hein? Lève-toi, lève-toi, tu vas t'asseoir, prends le médicament. S'il te plaît, tout l'argent est fini, on ne sait plus quoi faire. Assieds-toi, s'il te plaît, force-toi, ma fille, lève-toi. S'il te plaît, veux-tu mourir, tu vas me laisser toute seule, qu'est-ce que je peux te dire? S'il te plaît, il nous a... Hey, tu dis que mon Dieu, John. Maintenant que tu es venu, tu veux demander la nourriture. Ah, s'il te plaît. Où est maman? Maman était allée voir Odidia. Elle est vraiment malade. Ok. Maintenant je comprends. Je l'avais vue l'autre fois avec sa mère. Elle ressemblait à un fantôme. Hey. Très sec et sombre. Oli aimait moi. Donc mais c'est ça, hein? Comme elle était jolie. Elle était une très jolie fille. Chai! Quand on leur prodiguait des conseils, ils ne voulaient pas écouter. Maintenant, regardez aujourd'hui. Si tu la vois, on dirait qu'elle est atteinte de VIH. Ça peut aussi être le sida. Hein? Papa, tu veux oui, commencer? Non? Demande ta nourriture comme tu en as l'habitude. Arrête de blabla. Je m'en vais. Ah, mon Dieu, franchement. Hein? C'est triste. Doucement, désolé, ça va aller. Maman? Hmm? Calme-toi, oh. S'il te plaît, essaye. Juste à cause de tes dires, tes envies. Juste à cause de ta convoitise. Tu as transformé Ifekwe et Aya en criminel. Doucement, désolé, oh. Ça va aller, ma fille. Nous avions voulu te donner à notre père de l'argent pour qu'il soit fier de nous. Mais les jours que notre père a appris la mort d'Ifekwe et Aya, c'est aussi les jours qu'il est parti. Mais maman,
qu'est-ce qui reste? Pourquoi tu ne conseillais pas tes enfants? Pourquoi? Ma fille, s'il te plaît. J'ai changé à partir d'aujourd'hui. J'ai changé, je me réponds de tout ce que j'avais fait. Lève-toi, prends tes médicaments. Prends tes médicaments. Ichola! Ichola! Ichola, lève-toi, tu prends tes médicaments, s'il te plaît. Ichola, s'il te plaît, ma fille. Lève-toi, ma fille. Ichola, j'ai besoin de toi. Ma fille, s'il te plaît, Ichola, oh, venez voir, oh, je suis finie, ma fille, s'il te plaît, réveille-toi, ma fille, j'ai besoin de toi, ma fille, s'il te plaît, tu vas me laisser toute seule, pourquoi, hey, ma fille, s'il te plaît, oh, pourquoi ça m'arrive, pourquoi tout ceci, oh, pourquoi, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Hey, hey! Ichola, je suis fini! Je suis fini, oh! Je suis fini! Où es-tu? Où es-tu, ma soeur, s'il te plaît, sors! Hey, s'il te plaît! Ogini, no, je suis fini, oh! Ogini, me dagi! Hey, Ichola est mort, elle est partie, oh! Ichola, mom. Oui, elle est partie, ma fille. Ah, Ichola, ma fille, pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je vais dire? C'est triste. Lève-toi, mon ami. Allez. Qu'est-ce que je vais faire? Ichola, ma fille, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu vois? Hey, pourquoi? Lève-toi. Je suis finie. Je suis finie. Laisse-moi le prendre mon sac. Je suis finie. Je ne sais pas. Par où je veux commencer? Par où je veux commencer? Je suis finie. Oh, moi, je suis finie. Hey, pourquoi? Pourquoi seulement moi? Hey, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ichola, qu'est-ce que je veux faire? Là où je vais commencer. Hey, je suis fais-le fini. Très vite. Ok, je le ferai. Je veux te présenter ici le dimanche, ok? Ok, très bien, pasteur. Je viendrai. S'il te plaît, c'est très important. D'accord, je veux te pasteur. Présenter ici le dimanche. Ok, c'est compris. Je viendrai. Je ne manquerai pas, ok? Oui, ce dimanche, c'est très important que je te présente en tant que nouveau venu à l'église. Je suis ravi, pasteur. Merci beaucoup. Très bien. Bonne très route bien, à toi. Merci okay. d'être venu. Hey, pasteur! Pasteur! Hey! Pasteur, s'il te plaît, aide-moi. Pasteur, je suis fini. Je suis fini, pasteur. Mais madame, j'ai perdu calmez-vous, tout okay? ce qui était pour moi comme parlez-moi, espoir. Allez-y. Mais calmez-vous. Hey! Madame. Je suis fini. Je vois un gondin. Ne vous croyez pas arrivé. Ton beau-fils Jeff veut construire pour vous une belle maison. C'est ce que vous pensez? Et qu'est-ce qui va nous arriver? Hein? Dans ce village. Mba, ça ne peut pas arriver. Ça ne marchera pas. Vous voyez ça? Tant que ces feuilles resteront vertes, je vous dis, il y aura le trouble dans votre famille. Il y aura de troubles dans votre maison. Oui. Obéa, allô. Je vous lis tous ici. Même Jeff, votre beau-fils, je le lis aussi. Il n'y aura pas la paix dans votre maison, même pas un tout petit peu. Je sème la confusion. Jeff, rien de ta femme ne va encore te plaire. Il y aura les troubles. Les troubles dans votre famille. Je vais donc voir comment est-ce que tu vas construire la maison de tes beaux-parents. Toi, leur fille, toi aussi, tu reviendras dans ce village. Main vide. Tous vos projets vont stopper.
Ah, Kaneye. Toi aussi. Tu veux revenir nous emprisonner dans ce village? Parce que ton enfant a épousé un homme riche. Ça ne marchera pas. Je joue sous ma propre tombe. Bon, Pierre. Obichani, comment tu pouvais faire ça? Tu es allé très loin. Tu t'es laissé utiliser par le diable. J'étais jalouse. Pourquoi? J'étais seulement jalouse. Et maintenant, mes enfants ne sont plus. Mon mari, tous mes enfants. Calmez-vous. Que Dieu me pardonne, pasteur. Ça alors? Que Dieu me pardonne. Madame, c'est bon. C'est bon. Le livre de 2 Corinthiens dit ceci. Les choses anciennes sont déjà passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça va aller. Ça va aller. Ce que vous avez à faire, c'est d'aller là-bas pour leur parler de ça. Je ne peux pas mettre mes pieds là-bas, pasteur. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Oh. Ah, pasteur. Très bien. Pasteur, tu dois m'aider. Ne vous en faites pas. Je suis un homme de Dieu. Et en tant qu'homme de Dieu, c'est dans mon devoir d'y aller. J'irai les voir pour leur dire, vous vous êtes repenti et avez donné votre vie à Christ. Merci, pasteur. Calmez-vous maintenant, madame. Merci. Calmez-vous. Ok. Hey, oh non, pasteur. Jésus. Oh Seigneur. Merci, madame, pasteur. Allons-y. Se tromper est humain, mais pardonner est divin. Ce qui est arrivé est arrivé. Vous devez juste pardonner tout ce qu'elle a fait. Je vous en prie. Ces genres de choses sont déjà arrivées dans ce village. Je sais à quel point c'est maléfique. Mais vous devez lui pardonner. Souvenez-vous pourquoi Jésus était venu dans ce monde. Mourir pour nos péchés. Si nous n'étions pas pécheurs, aurions-nous été pardonnés? S'il vous plaît, soyez compréhensibles. Cette femme est tellement méchante. Hein, comment pouvait-elle? Oh, le Dieu. Maman, si je pose mes yeux sur cette femme, je la diviserai en deux. Oh, ça suffit. Oh non, mon fils. Calme-toi. Calme-toi. Ça va. Ne fais pas ça. Vous avez entendu l'homme de Dieu dire que haïr est humain, mais pardonner est divin. Est divine. Papa, il est ça suffit. C'est arrête. Bon. Papa, c'est bon, facile, okay? Comme vous le dites. Ce qui est plus important est que les choses se terminent bien. Oui. Et honte au diable. Et quelle sera la compréhension de mon mari? Oui, papa. Ça va, madame. C'est papa, fini. Comment le lui ça va aller. Ça va aller. C'est le passé. Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. Le monde est très méchant. S'il vous plaît, homme de Dieu. Vous pouvez bien constater l'émotion qui nous emporte. S'il vous plaît, priez à Dieu qu'il puisse nous aider. Voilà. Très bien. Fermons nos yeux, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous te remercions pour un magnifique jour comme celui-ci. Nous te remercions pour la révélation que tu as rendue disponible aujourd'hui. Ô Seigneur Dieu, nous voulons que tu descendes dans cette famille afin de briser toute chose, Père. Papa, pardonnez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je veux que vous m'aidiez à aller récupérer ma femme. Je vous prie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nemeka. Maman. Nemeka, dis-moi. Combien de fois t'ai-je appelé? 3 fois, maman. Dis-moi, c'est quoi ce scénario? Hein? Est-ce que ce que tu viens de dire vient de ton cœur? Ça vient de ton cœur? Oui, c'est sincère, maman. Va voir ton père. Si tu as décidé de te réconcilier avec ta femme, c'est pas un problème. Mais d'abord, tu dois te rendre là-bas. Gagne à nouveau sa confiance. Fais la paix avec elle. Alors, c'est en ce moment-là que tu viendras me voir, moi et ta mère, pour aller voir leurs parents. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Je ne peux pas me rendre là-bas comme ça. Peut-être qu'on pourra m'accueillir avec de l'eau froide.
Maman, maintenant quand le mange aujourd'hui? C'est quoi ça? S'il te plairait de me déranger avec tes histoires là qui n'ont pas de sens. Nous n'avons plus rien à la maison comme provision, tout est fini. Maintenant je veux faire comment? Je n'ai pas d'autre choix pour le moment, ma fille. Maman, des fois tu m'étonnes. Je te parle de choses importantes, mais j'ai toujours des réactions bizarres. Okay. Trouvons ce qu'on peut manger aujourd'hui. Si tu as un peu d'argent, tu m'étonnes. Je vais en parler avec après. Maman. Amano Konokongwa et. Mais qui est ça? Hé, hey, Bokochi. Oh. Attends, Gourmet. Hey. Nai. En tout cas, bienvenue. Merci, hein? Merci. Merci, ma chère. Oh, merci. Ma belle-sœur. Bonjour, oh. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok. Attendez, moi, je vais appeler mon mari. J'arrive, hein. Oh, oh, Tombouku. Oh, c'est toi. Je te salue, oh. Quelle belle surprise. Mon beau frère, je te salue. Moi j'espère aussi. Que tu vas bien. Oh, bien sûr, ça fait longtemps, hein. Oh oui, ça fait vraiment longtemps. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ah, prenez place. S'il vous plaît, prenez place. Il y a des places là, mettez-vous. Oui. Nai, je te salue. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Jeff, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? C'est de ma faute, je suis désolé. C'est de ma faute, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis venu faire la paix, s'il te plaît, pardonne-moi. Ma belle-fille, je t'en prie, pardonne-lui. Pitié. Pardonne-lui. Écoute. S'il te plaît, en tout cas, c'est incroyable. Pardonne-lui et oublie. On dit que s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de pardon. C'est ça. Mais toi et moi savons très bien que le monde dans lequel nous vivons est un monde de péchés. C'est exact. S'il te plaît, ma fille, pardonne-lui. Toi aussi, parle. Pardonne-moi, je t'en prie. Mon mari, je te pardonne. Merci, mon Merci. Amour. Ma belle-fille. Hey! Ah! Belle-sœur. Oh, qui est-ce? Ah, ça mérite une célébration, ça. Oh Mike, Brenda, mes petits vous enfants, allez bien, hein? Venez vers Pépé. Venez saluer vos grands-parents et votre père. Eh oh. Brenda, viens saluer ton père. Mes amours, venez par ici, venez. Je vous aime, oh. Dieu vous aime est très juste fort. Merveilleux. Franchement. I'm gonna go get some more.
I'm not going to be able to do it.
Hey!
Eh mon Dieu! Oh mon Dieu! Eh ma jambe! Ma jambe! Ma jambe! Oga, ayez pitié! Oga, ayez pitié! Oga! Tais-toi! Oui, monsieur! Le mot pitié n'existe pas dans le dictionnaire militaire. Tu m'as saisi? Oui, monsieur! Allez, mets-toi à genoux. Tu as deux réponses à me donner. Dis-moi, où se trouve ma voiture et mon argent? Où sont-ils? Oga, s'il vous plaît, Oga. Tu m'appelles toujours Oga? Non. Tu ne dois rien me dire d'autre si ce n'est que me répondre. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, putain? Veux-tu que je te tue? Je t'ai remis ma voiture pour la réparer. Et ce que tu as fait est de fuir avec ma voiture et avec les 200 000 naira qui s'y trouvaient. Oga. Où est mon argent? Et où est ma voiture? Oga, pardon. Hein? Oga. As-tu ma voiture et mon argent, oui ou non? Oga, s'il vous plaît. Okay. Oga. Tu vas croupir dans la merde des officiers. Tu vas croupir Oga. En garde à vue. Je vais t'y conduire moi-même. Quand tu auras donné Oga. Mon argent et ma voiture, tu seras alors libre. Pitié. Okay. Oga, s'il vous plaît. Oga, ayez pitié. Ayez pitié, Oga. Allez, je vous en prie. Oga, pardon, qui va m'aider? À l'aide! Au lieu qu'ils viennent me déranger, je leur ai dit, prenez-le, allez-y. Allez-y, faites tout ce que vous voulez. Oh mon Dieu, Prenez-le. Comme ça, personne ne viendra me déranger. Personne ne viendra me dire, oh, ce que le père a fait est transféré vers ses enfants. Oh mon Dieu, je ne veux plus ce genre de problème. Mon Dieu, donc quoi voilà, je n'avais pas de choix. Voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Oh mon Dieu. La voiture a été modifiée, ensuite vendue. Hey. Obia, Quinn. Hey. Quinn. Hey. Enugu State. Hey. Am. Hey. Nigeria, Quinn. Hey. Quinn. Hey. Quinn, tu es nous. Je suis vraiment content d'être resté en vie et célébrer ma cérémonie de retraite que nous n'organisons dans notre culture que quand quelqu'un atteint l'âge de 70 ans. Alors, c'est vraiment quelque chose pour lequel nous sommes censés remercier le Dieu Tout-Puissant. L'essence de Ibuche, qui veut dire la cérémonie de retraite, est pour que l'intéressé arrête de travailler efficacement et qu'il se repose. Donc, tu rentres chez toi et tu te reposes. Et dans le même ordre d'idées, que ta retraite soit bonne. Hey! Eh mais ouais! Vous voyez, dans notre culture, la communauté va remettre à la personne qui célèbre sa retraite, ils vont lui donner un projet remarquable et efficace qui va marquer le crescendo de leur vie et autres. Afin qu'après cette célébration, après la réalisation du projet, quand les gens vont regarder cette réalisation, les cas de notre génération à Ananoubi, oui, ils diront, cette réalisation est le fruit de la génération Ananoubi quand ils ont pris la retraite. En l'occurrence, ce genre de projet comprennent, par exemple, s'il n'y a pas beaucoup d'écoles, on va vous donner des écoles à construire. Quand il n'y a pas assez d'hôpitaux, on vous dira, construisez des hôpitaux. S'il remarque qu'il n'y a pas de marché adéquat, on vous dira, construisez un bon marché. Et même si ça concerne l'énergie, l'eau, ça et là, on peut tout résoudre.
nos enfants doivent fournir leurs efforts pour nous venir en aide, peu importe les situations. Ils doivent même vous assister à la contribution qui sera répartie dans la prochaine cérémonie de prise de retraite. Ce qui est vrai, à l'âge de 75 ans, il n'y a rien que tu puisses faire. Et c'est là qu'intervient la sagesse dans ce proverbe. Que quand un homme vieillit, il va commencer à survivre à l'aide de ses enfants. Nemita nyango wa mayala. C'est ça. Et donc, les enfants doivent vraiment vous soutenir avec des voitures. Juste de la manière dont ma fille et son mari m'ont offert. C'est là que je me rends compte d'avoir bien fait le travail. Ah, Casey, je suis là. Papa, comme je suis fatiguée. Hé, ma fille. Papa, Moi, je dois aller un peu à la ferme pour les ignames. Je ne vais pas traîner. Hein? Je serai bientôt de retour. Bon, en tout cas, moi je ne vais pas. Papa, tu pars à la ferme? Je vais à la ferme. On t'avait dit de ne plus sortir et de rester bon, à la maison. Bon, si je pars, c'est pour les ignames et rien d'autre. On va prendre soin de toi. Franchement, depuis hier, je n'ai pas dormi. Je ne fais que penser à mes ignames. S'il vous plaît, laissez-moi aller. Je ne vais là-bas que pour bonjour, ça et papa. Rien d'autre. Salut, mon fils. Comment ça va? Je vais bien. Tu étais où? J'étais parti à la chasse pour te trouver des gibiers. Merci. Merci. Merci beaucoup, mon fils. Brave homme. Maman, ah, mon fils. Prépare pour papa. Hey! Que Dieu bénisse merci ton courage. Mon fils. Les dieux vont te bénir pour cet acte. Ça, c'est un j'apprécie nom. Beaucoup. Et ce matin, notre garçon a grandi. À 7 heures de la nuit, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a rien de grave, Naï. C'est juste que tes enfants veulent discuter avec toi. Kalu, ici présent, et sa sœur ont un mot à te dire. Papa, nous voulons te demander de ne plus sortir. Nous sommes déjà assez matures pour prendre soin de toi. Tout ce dont tu as besoin, juste dis-les et nous nous en occuperons. S'il te plaît, arrête d'aller à la ferme, quelle que soit la raison. Cela veut tout simplement dire que tu dois prendre ta retraite traditionnelle, tu dois tout abandonner. Oui, oh. Et attendre tranquillement que les dieux t'appellent. On prendra très bien soin de toi, tu ne manqueras de rien. Sois merci calme. Beaucoup. On est là pour toi, tu n'es plus jeune. Au fait,